Bonsoir tout le monde. Merci de vous joindre à nous. Donc, je me présente, je suis Valérie Simard. Je suis impliquée à la revue Ouvrage. Oh. Du coup, j'en profite pour te demander si tu m'entends là. Ouais, tu m'entends? Oui, désolée, je pensais qu'on m'entendait en double parce que j'avais mon Facebook allumé. OK, Ah, désolée. t'avais la vidéo lancée. Ouais, donc je vais juste fermer ça, là. OK, excusez-moi. désolée pour le petit souci technique. Donc, je reprends. Je suis Valérie Simard, je suis impliquée à la revue Ouvrage. Et ce soir, je vais discuter avec Gwenola Ricordo et Nesrine Tedjini-Bailish. Je vais juste faire une brève introduction pour placer un peu cette discussion. Dans la dernière année, la police et le système pénal ont été énormément critiqués. Les récits de brutalité et les images de mise à mort de femmes et d'hommes noirs captés sur les téléphones envahissent la sphère, circulent à toute vitesse, sont tweetés, cliqués, partagés. À peine on entendait la culpabilité de Derek Chauvin prononcée qu'un nouvel hashtag, Say Her Name, annonçait la mort de Micaiah Bryant, une adolescente de 16 ans, tuée par le policier Nicholas Reardon. À Montréal, la vidéo de l'assaut brutal par des agents du métro contre une personne noire est relayée sur Twitter, rapidement reprise dans les journaux. Il y aura enquête, confiée à un avocat qui défend depuis 20 ans les policiers dans les causes en déontologie. Et c'est reparti, il faut réformer, il faut définancer, il faut abolir. Ici, des mouvements reprennent les initiatives américaines, comme le mouvement Defund the Police ou Black Lives Matter. Cette impression qu'il se passe quelque chose cache le fait que les espaces pour s'organiser et débattre de ces questions sont rares et fait croire que le milieu militant partage une seule analyse critique de la justice. Les idées circulent comme les hashtags et les images de violence. Des guidelines inspirés des tendances abolitionnistes américaines sont partagés sous la forme de memes, de zines ou de stories. Dans la communauté imaginaire de la gauche radicale montréalaise, on se plaît à rêver de nouvelles façons de gérer les conflits et les violences. L'impression qu'il se passe quelque chose cache aussi que la gauche, même radicale, ne peut s'extraire du suprémacisme blanc et n'échappe pas au racisme. Les réponses de la gauche à la justice bourgeoise et patriarcale peinent à sortir de la logique du droit pénal. Les critiques du système de justice provenant des mouvements féministes occultent les hommes non blancs, les autochtones, qui sont les principaux condamnés et qui sont surreprésentés dans les prisons. Ce sont ces constats qui nous ont amenés à vouloir ouvrir cet espace de discussion, pas parce que nous sommes nécessairement d'accord, pas parce que nous partageons nécessairement les mêmes expériences, mais justement pour nous commettre sur ces enjeux et pour autoriser la confrontation des idées. Nous ne voulions pas non plus traiter séparément des critiques féministes, raciales et anticoloniales, l'objectif étant de trouver des points de mail. Pour penser l'abolitionnisme pénal et surtout d'accepter d'échanger avec nous afin que les idées exprimées ce soir puissent être entendues par un plus grand nombre de personnes. Je veux aussi souligner que nous reconnaissons que nous sommes tolérés sur des terres autochtones non cédées. Nous reconnaissons que Cheautyaguée, Montréal, est historiquement un lieu important de rassemblement pour de nombreuses nations autochtones et nous reconnaissons la nation kanien qui est Keaga comme gardienne de ce territoire, des terres et des eaux. Gwenola Ricordo est militante, mais aussi sociologue. Elle est professeure assistante en justice criminelle à la California State University. Ses recherches portent entre autres sur les contestations du système carcéral et sur l'abolitionnisme pénal. Avec Joëlle Charby, elle travaille en particulier sur les syndicats et les grèves de prisonniers. Elle a aussi écrit Pour elles toutes, Femmes contre la prison, paru à Luxe au Québec. Son plus récent ouvrage, Crime et peine, penser l'abolitionnisme pénal, qui regroupe des traductions de textes fondateurs de l'abolitionnisme, sera publié au Québec en juin. Nesrine, bonsoir, Gwenola, merci d'être là. Nesrine Tedjini-Bailish est militante décoloniale.
anciennement au Parti des indigènes de la République et cofondatrice du Front antiraciste alsacien à Strasbourg, en France. Elle est actuellement militante du collectif pour une dignité politique qu'elle a cofondé à Montréal il y a 3 ans. Et pour ma part, je suis enseignante au secondaire et mon implication politique porte sur la question du travail et de la reproduction sociale. Plus particulièrement, je m'intéresse aux stratégies d'organisation autonome sur ces questions. Et comme je le disais, je fais partie du comité de rédaction de la revue Ouvrage. Je vais lancer la discussion en parlant un peu du contexte du Québec depuis le début de l'année. Donc, il y a déjà malheureusement 10 femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année au Québec. On parle d'une autre épidémie dans la pandémie. Début avril, des milliers de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes et pour réclamer des engagements de l'État en matière de violence conjugale. Sur les pancartes, on pouvait lire « Féminicide, pas une de plus, arrêtez de nous tuer » ou encore « Arrêtez les hommes violents ». Et le premier ministre François Legault s'est empressé de confier le dossier à la sécurité publique en déclarant que la ministre Geneviève Guilbeault allait tout faire pour assurer la sécurité des Québécoises. Donc, parmi ces mesures, l'implantation de bracelets GPS, anti-rapprochement et autres mesures de surveillance des personnes ayant été condamnées pour violence conjugale ou agression sexuelle. On parle aussi de créer un tribunal spécifique pour traiter des cas de violence conjugale et d'agression sexuelle. Donc, la majorité des investissements va aller aux maisons d'hébergement, qui sont des organismes communautaires chroniquement sous-financés, qui peuvent servir d'un refuge temporaire pour les femmes et les enfants. Mais il y a quand même 9 millions de dollars qui vont être consacrés à la sécurité publique. Jamais on a fait mention des conditions sociales qui ont rendu possible ces violences, qui rendent possible ces violences. Et dans le contexte particulier de la pandémie, on peut penser à l'imposition d'un couvre-feu, au confinement, à la fermeture des écoles, les nombreuses pertes d'emploi ou la crise du logement. Plein de facteurs qui nous enferment un peu plus dans la famille nucléaire, dans le foyer patriarcal. Donc, le discours porte exclusivement sur la sécurité et le gouvernement promet que les crimes ne resteront pas impunis. Dans Pour elle toute, Gwenola souligne à quel point le système pénal est inadapté pour répondre aux besoins des victimes ou de leurs proches. Pourtant, quand ils sont contraints d'agir, l'État et les autorités promettent de sévir, de judiciariser, de punir. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le modèle pénal ne répond pas aux besoins des victimes? Et pourquoi ces mesures de renforcement de la sécurité publique ne sont pas efficaces pour arrêter la violence domestique? Oui, alors merci pour cette introduction et aussi pour cette question. Mais avant d'en venir à la réponse que je peux apporter, je voudrais vous remercier pour l'organisation de cette rencontre, reconnaître qu'on vient d'espaces militants et d'espaces géographiques qui sont différents. Et je vous remercie pour... de permettre cette discussion. Je vis aux États-Unis, donc sur une terre qui a aussi cette histoire coloniale, hein, de la même façon que le Canada. Et je pense que ce soir, il y a peut-être un sentiment quand même un peu particulier. Désolée, je vais un petit peu dévier du sujet, mais j'ai passé une bonne partie de ma journée à écouter les nouvelles de Palestine. Et je pense que quand on habite sur des terres colonisées, voilà, on est aussi pour une bonne partie d'entre nous, j'imagine, ce soir, dans nos contradictions personnelles et aussi le cœur et l'esprit avec les Palestiniens et les Palestiniennes. Et voilà, comme ma journée a beaucoup été marquée par ça, je me permets de faire cette allusion. Et donc, encore une fois, merci d'ouvrir cet espace de discussion avec, c'est vrai, nos perspectives qui peuvent être différentes, mais j'espère que cette discussion sera fructueuse. Comme je le disais, j'habite aux États-Unis, mais je suis française. Ça veut dire aussi que j'emploie un français qui n'est pas forcément le même français que vous tous et toutes. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour me demander de reformuler si j'emploie des mots un petit peu bizarres. Et puis, c'est vrai que j'ai un peu cette double casquette à la fois d'un travail académique et aussi d'un engagement militant. Et donc, le va-et-vient entre les deux.
Et je voulais juste dire, et je promets que c'est ma dernière parenthèse avant d'en venir à la question, mais que j'ai beaucoup travaillé sur la question des proches de personnes incarcérées, avec cette idée que la prison concerne évidemment les gens qui sont enfermés, mais au-delà des gens qui sont enfermés, des familles, des proches et des communautés entières, et que je pense que d'un point de vue politique, si on se focalise uniquement sur qui est dans l'institution, eh ben on loupe quel est l'usage social de cette institution, à qui il est destiné, et que aussi cette perspective d'un point de vue militant, de ne pas simplement penser l'institution prison, mais de penser le rôle social et quels sont les coûts sociaux de la prison est fructueux et permet de créer des alliances politiques. Donc, bon, voilà ce que je voulais dire sur mon travail académique. Après, c'est vrai que là, Valérie, tu faisais allusion à un livre qui est un livre beaucoup plus politique, donc qui essaie de penser à la fois comment faire avancer la cause des femmes, comment faire avancer le féminisme, comment surmonter certaines contradictions du féminisme, et puis penser l'abolition du système pénal. Alors, tu as posé la question des besoins des victimes, et je te remercie de commencer par là, parce que souvent, c'est quelque chose qui est méconnu ou mal compris de l'abolitionnisme pénal, hein. Souvent, la première réaction des gens, lorsqu'on leur parle d'abolir, ils vont dire, mais alors, les victimes, vous n'en avez rien à faire. Alors qu'au contraire, l'abolitionnisme pénal part des insuffisances du système pénal, de ce à quoi il nous dit qu'il sert, et notamment la façon dont il ne répond pas aux besoins des victimes. Alors, je m'arrête 5 secondes parce que je réalise qu'il y a des personnes qui font la transcription et peut-être que je parle excessivement vite. Donc, n'hésitez pas, là, les gens qui sont à la technique, à me dire de ralentir. Donc, voilà, c'est l'abolitionnisme pénal, en gros, c'est tout un courant de pensée et des luttes qui naissent à partir des années 70 avec cette idée que le système pénal nous dit qu'il est là pour nous protéger, qu'il est là pour répondre aux besoins des victimes, mais l'abolitionnisme pénal part de la critique de ce que fait réellement le système pénal. Alors, les besoins des victimes, moi j'aime bien partir d'une réflexion qui est celle de Ruth Morris, qui est une États-Unienne qui a longtemps vécu au Canada, et qui dit que les victimes, quel que soit leur type de victimation, ont 5 besoins fondamentaux. Premier besoin, c'est le besoin de répondre aux questions, des questions qui sont souvent très précises sur les faits. Comment les choses sont arrivées? Pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai été victime de ce vol, de cette agression, etc. Donc, on pourrait dire un besoin de vérité, un besoin de sécurité, un besoin de donner du sens à ce qui s'est passé, et c'est un besoin extrêmement complexe auquel répondre. Un besoin de réparation, hein, d'être réparé, de guérir, de faire son deuil, tout en sachant qu'on ne peut pas guérir de tout, hein, qu'il faut aussi avoir à l'esprit, et là aussi, c'est une sorte d'illusion qui est entretenue par le système pénal, qu'il y a des choses dont on ne guérit pas totalement, et que se réparer, faire son deuil, c'est porter cette part de malheur, cette blessure, ces pertes. Et puis, je me suis peut-être. Je me répète peut-être, il y a le besoin de reconnaissance, donc d'être reconnu dans le fait d'avoir été victime. Et quand on part de ces 5 besoins et qu'on regarde de quelle manière le système pénal y répond, ben on voit qu'il y répond mal. Alors ça ne veut pas dire qu'il y répond toujours mal ou qu'il y répond toujours très très mal. Hein, on peut voir des victimes qui vont dire que, au moins avec le procès, la condamnation d'un agresseur, elles se sont senties reconnues comme victimes. Hein, et ça, il ne faut pas le nier. Mais en fait, quand on va un petit peu plus loin et on essaie bah, de voir de quelle manière, certes, une victime peut être reconnue, mais est-ce que c'est offert à toutes les victimes?
Ben, on voit que non, parce que pouvoir porter plainte, pouvoir recourir au système pénal, ça va avec certains privilèges. Hein, ça va avec le privilège d'être, ce qu'on va dire, une bonne victime, d'être une victime entendable, et puis d'avoir aussi une bonne victimation. C'est-à-dire qu'il y a des formes de victimation qui sont entendables par le système pénal, et puis il y a des formes de victimation qui ne le sont pas. Hein, parce que, alors là, c'est vrai que je parle beaucoup de la question de la victimation des femmes, hein, mais... je pense que c'est quelque chose qui est largement connu. Hein, on sait bien que, y a des agressions sexuelles qui sont beaucoup plus facilement reconnues comme étant des agressions sexuelles que d'autres, hein, liées aux actes eux-mêmes, liées au statut de la victime. Hein, et je pense que Ador reviendra sur ce type de questions, donc je ne vais pas empiéter là-dessus. Et donc, pour revenir à ta question initiale, l'abolitionnisme pénal, on pourrait dire, en gros, nous dit partons des besoins réels des victimes, qui sont des besoins légitimes. Voyons comment le système pénal y répond assez mal et il répond que pour certaines personnes qui ont certains privilèges, et essayons de faire mieux avec d'autres outils. Je m'arrête là parce que vous sentez que je peux continuer. Oui, puis il y aura d'autres occasions d'apporter plus de précisions. Mais justement, sur cette question d'abolition du pénal, parce qu'on parle d'abolition du carcéral, abolition du pénal, donc Nesrine, je te laisserai la parole sur cette question-là de pourquoi l'abolitionnisme pénal. Pardon, vous m'entendez là? Ouais. Parce qu'on ne peut pas penser à la prison sans le pénal, en fait, et qu'on ne peut pas non plus penser à la police sans le pénal. Et il faut d'abord, en fait, établir ce que c'est qu'un crime pour pouvoir établir des criminels qui, eux, du coup, après, seront du coup, surveillés par la police et puis envoyés en prison. Et ça va être, par exemple, le cas... de considérer que quelqu'un en situation illégale parce qu'il n'a pas les bons papiers, ça fera de lui quelqu'un en situation criminelle. Donc, il y a une légifération, une pénalisation, en fait, d'une catégorie. Du coup, on fait exister une catégorie criminelle qui aura affaire, du coup, à la police, puis au carcéral. Donc, c'est parce que c'est lié qu'en fait, ça semble pertinent de penser les trois ensemble. Enfin, on ne peut pas le penser sans le pénal, quoi, du coup. D'ailleurs, peut-être que tu voudras revenir dessus, Gwen, mais on a le terme féminicide qui est aussi utilisé à des fins pénales, par exemple, qui peut montrer que des fois, on ne fait pas forcément le lien entre le carcéral et le pénal. Oui. Je ne sais pas si tu veux... Et c'est un tort de ne pas faire le lien parce que, évidemment, comme tu l'as dit, le pénal... C'est ce qui tient ensemble, en gros, ce qu'on va dire, les tribunaux, les cours de justice, hein, ça, il y a des termes différents selon les pays, et j'imagine même, alors désolée, hein, je ne connais pas forcément bien la situation canadienne, mais il y a aussi des différences selon les provinces. Mais bon, c'est à la fois ces institutions qui prennent des décisions, et puis c'est évidemment la police, et puis c'est l'institution prison, maison d'arrêt, centre de détention, le vocabulaire aussi là peut être différent selon les pays et selon les régions. Et tout ça, pourquoi tout ça fait sens ensemble? C'est parce qu'on a le droit pénal, qui peut être appelé le droit criminel, qui définit des infractions, qui définit donc ce que l'État considère comme devant être poursuivi. Hein, c'est ça la base du système pénal. Et donc, c'est une décision sur la manière de traiter certaines situations. Mais l'existence même de ces catégories, évidemment, ce n'est pas des catégories qui existent en soi, c'est des catégories qui sont le produit d'une histoire, mais aussi des caractéristiques
de nos sociétés, donc qui par exemple, enfin je vais prendre l'exemple qui est le plus connu, le plus l'objet de recherche, c'est la question des produits stupéfiants. Hein, on voit bien que dans les catégories qui sont liées aux produits stupéfiants, il y a une forte dimension liée aux classes sociales, aux groupes ethniques. Alors, par exemple, sur les États-Unis, on voyait comment les distinctions de législation, par exemple, permettaient de criminaliser les hommes noirs beaucoup plus que les hommes blancs usagers de produits de type cocaïne, alors que, en fait, les hommes noirs étaient essentiellement condamnés pour des dérivés de la cocaïne. Donc, en fait, les catégories pénales elles-mêmes s'inscrivent dans des rapports de domination, hein, tout ça, enfin, le crime n'existe pas en soi, c'est pas une sorte d'essence, hein, qui se baladerait. Donc, évidemment, tout ça est lié. Après, tu évoquais la question des féminicides, alors c'est un excellent exemple parce que, et là aussi, ça dépend un petit peu des pays, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment dans les mouvements féministes, dans un certain nombre de pays, c'est des appels à créer une catégorie spécifique et donc à reconnaître que lorsque des femmes sont tuées, notamment dans des situations d'intimité, conjugale ou de relations affectives, ça devrait être traité comme quelque chose d'encore plus grave, et donc de créer une catégorie pénale à part entière. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas détaché d'un autre mouvement plus général, qui est que beaucoup de mouvements sociaux qui se veulent émancipateurs ont tendance à se placer en termes de revendications sur le terrain du droit et à demander la reconnaissance de cas particuliers et d'une sévérité accrue pour un certain type d'actes. Donc ça se joue, hein, de différentes manières, mais en tout cas, pour ce qui est des mouvements féministes, c'est vrai qu'il y a cet appel à criminaliser de façon spécifique les féminicides, à criminaliser le harcèlement de rue. Hein, je pense qu'au Canada, vous êtes un peu dans les mêmes débats et problématiques qu'il y a en France, mais qu'il y a aussi en Belgique. Enfin, tout ça, hein, c'est des chronologies qui sont un petit peu différentes, mais les termes du débat sont toujours les mêmes, hein, de comment les courants dominants du féminisme appuient sur la création de nouvelles catégories pénales et davantage de sévérité pour un certain nombre d'infractions. Oui, d'ailleurs, en plus, Valérie, tu avais soulevé justement la question en parlant de la gestion du problème, gestion entre guillemets, par Legault, quand tu disais que de toute manière, il ne s'était pas du tout questionné en fait sur les questions à la fois sociales, économiques, qui avaient pu susciter le problème. Et en fait, c'est ça le risque avec ce genre de choses, notamment le féminicide, c'est qu'en fait, si on le rend dans une question tellement particulière qu'on n'interrogera pas la violence dans son entièreté. Il y a pas mal d'ailleurs en France aussi de légistes qui ont signifié ce problème-là, c'est l'incapacité du coup, avec ce genre de termes, à identifier les raisons de l'agression ou du meurtre, quoi, la mise à mort en fait. Et du coup, c'est pas du tout évident d'avancer avec des qualificatifs aussi générique, parce que ça ne peut pas nous aider à comprendre ce qui se passe. Et effectivement, surtout en termes de. Ben voilà, quand nous, on prend en compte la question de la classe, qui génère au moins les problèmes sociaux, économiques, éventuellement d'addiction et manque de ressources, etc. Et ça, c'est des choses assez. Les problèmes de santé mentale aussi, en fonction d'où on vient, de qui on est, de la race, du genre, etc., quoi. Mais ouais, moi, je voulais ajouter quelque chose aussi par rapport aux origines des luttes. Contre le pénal, tu sais, tu disais à partir des années 70, mais parce qu'il y avait aussi un héritage des luttes, je pense, y compris aux États-Unis. Je pense que tu avais en tête des auteurs américains, Gwen. Alors, quand on dit milieu des années 70, en fait, on désigne le moment où le terme est employé, abolitionnisme pénal, avec en vrai un peu des fluctuations au début. Ça, on peut dire que ceux qui vont devenir les abolitionnistes du pénal
pensent surtout la prison et élargissent au fur et à mesure leur ambition abolitionniste. Donc, on dit années 70 pour l'usage de ce terme et la façon dont les gens se reconnaissent et vont s'identifier eux-mêmes comme abolitionnistes. Mais évidemment, c'est une pensée qui ne naît pas de nulle part. Et par exemple, quand on parle des États-Unis, et notamment aujourd'hui des luttes abolitionnistes aux États-Unis, la généalogie, elle est beaucoup plus complexe et faudrait évidemment ne pas s'arrêter aux années 70. Je pense notamment à tout l'héritage, à la fois en termes de réflexion et de pratiques politiques, de pratiques de lutte et de stratégie, des mouvements de libération africaine-américaine, à commencer par le Black Panther Party, qui avait des propos extrêmement clairs sur le rôle social de la police, qui a fait des avancées en termes de réflexion et de lutte en prison et de lutte de prisonniers. Alors évidemment, on connaît George Jackson, mais ses écrits sont quand même fondamentaux dans la réflexion critique qu'on peut avoir sur la prison. Mais tout ça est un héritage, alors où les filiations des fois se perdent un peu. Par exemple, on ne voit pas, en tout cas à ma connaissance, et je dis à ma connaissance parce que l'histoire de l'abolitionnisme, c'est une histoire qui reste encore à écrire, mais je n'ai pas à ma connaissance, par exemple, vu le terme d'abolitionnisme employé dans ces mouvements-là. Mais bien sûr que tout ça se sédimente pour qu'à un moment donné, des gens arrivent à se penser comme abolitionnistes. Hein, donc, et il ne s'agit pas de nier cet héritage dans les luttes et dans les pratiques politiques. Mais après, c'est vrai que qui c'est d'abord. Enfin, en gros, dans les années 70, quand des gens commencent à se reconnaître comme abolitionnistes, font des conférences internationales, écrivent des textes, etc., par exemple, cet héritage des Black Panthers n'apparaît pas. Ou alors, il apparaîtrait de façon très marginale, mais en tout cas, à ma connaissance, ce n'est pas de cette manière-là dont se pense la première génération d'abolitionnistes. Il faut le reconnaître, hein, des gens qui, à mon avis, sont pour leur époque des progressistes, donc dénoncent les inégalités raciales, le caractère raciste du système carcéral, mais ne mettent pas du tout au cœur de leur réflexion les questions raciales. Hein. Ils sont aussi des produits des mouvements progressistes de ces années-là, en tant que aussi beaucoup universitaires, beaucoup de blancs parmi ces mouvements-là. On voit ensuite qu'il y a une deuxième génération, une deuxième vague de l'abolitionnisme, plutôt au début des années, enfin autour des années 2000, aux États-Unis, portée par énormément de femmes africaines-américaines, avec la création de Critical Resistance, évidemment avec le rôle d'Angela Davis dans ce mouvement-là. Et donc, on voit que l'abolitionnisme pénal se reformule pas mal dans ces années-là, alors aussi avec un champ de lutte et une situation politique qui est celle des États-Unis et qui, pour moi, française, n'est pas celui du contexte politique dans lequel j'ai pu évoluer. Bah, du coup, moi, je vais remonter à beaucoup plus loin. Bah, moi, je vais remonter au Black Code, aux luttes contre le Code noir, aux luttes contre le Code des indigénats, aux luttes contre les lois Jim Crow. En fait, tous ces régimes d'exception qui faisaient qu'il y avait déjà une critique du pénal dans les luttes d'émancipation des non-blancs, alors soit sur le régime du colonisé, c'est-à-dire territorialement, soit des régimes liés à l'esclavage, qui ne sont pas exactement les mêmes quand c'est l'esclavage français qu'américain, mais c'est le Black Code, il ressemble, enfin, c'est pas exactement le terme que le Code noir, mais eux, ils avaient en plus une tradition latine, mais en gros, c'est un certain nombre de règles et de lois d'exception, en fait, pour les populations non blanches. Donc, ça a toujours été remis en question depuis que ça existe, par ceux qui ont dû subir ces répressions d'exception, quoi. Alors, ouais, effectivement, tu as cité déjà Angela Davis, il y avait déjà aussi Rosa Parks hein, qui s'était, s'était opposée. Nesrine, alors c'est peut-être. Je voulais dire que ça a été intellectualisé effectivement, comme tu le dis, mais qu'il y a une tradition, il y a des traditions qui ont pu nourrir aussi en amont, avant, dans le. Voilà. Oui, non, mais moi je parlais de la façon dont les gens ont utilisé. Exactement. Voilà. Et
Alors, et pourquoi ce terme abolitionnisme? Parce que justement, il y a eu ce. Alors, on sait bien comment enfin, le terme abolitionnisme a circulé dans d'autres espaces, et je laisserai aussi Celui de Adore l'esclavage en après. parler. Mais alors, notamment aux États-Unis, il y a justement cette deuxième vague de l'abolitionnisme. Alors, le dit de manière extrêmement variée, hein, mais il y a cette idée que l'abolition du système pénal, c'est simplement terminer le travail qui a été celui de l'abolition de l'esclavage, et donc la revendication d'une continuité historique dans les luttes. Mais force est de constater que, par exemple, en Europe, il n'y a pas cette pensée d'une continuité entre différentes luttes, différentes expériences. Alors après, ça veut pas dire que les résistances, elles n'ont pas existé. Hein, on voit des écrits de prisonniers à toutes les époques qui se révoltent contre l'existence même de la prison. Hein. Enfin, dès qu'il y a eu de l'enfermement, il y a eu des formes d'expression contre toute forme d'emprisonnement. Après, c'est de quelle manière enfin voilà, on se reconnaît dans une pensée et dans une forme de lutte. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément les mêmes héritages par rapport à l'abolitionnisme pénal. C'est-à-dire que quand il y a des régimes d'exception, pour les non-blancs, il y a un héritage qui est soit colonial, soit esclavagiste, alors que c'est vrai que l'héritage occidental, il est plus celui à partir du moment où il y a incarcération, et pas forcément directement ancré à la dépénalisation ou au texte eux-mêmes dès le départ, quoi. Comme tu disais, ouais, c'est tout de suite les écrits de prison qui reviennent quand on est dans la tradition européenne de gauche ou blanche, quoi. Par rapport au pénal, tu vois. C'est ça que je voulais dire. Alors, moi, très clairement, et ce n'est pas la première fois que je vais le dire ici, je pense qu'il y a en France, ça sur le Canada, j'en sais rien, mais en France, pour moi, il y a un travail politique, et que je pense que je ne suis pas la personne qui doit le mener, hein, mais il y a un travail politique à faire sur l'esclavage, sur les bagnes coloniaux, les prisons coloniales. La Nouvelle-Calédonie, la Kanaky, la Guyane, etc., qui ont servi de bagne. Comment les populations qui étaient dans les colonies françaises ont été déportées dans ces bagnes. L'usage des prisons coloniales, l'usage disciplinaire des prisons coloniales. Les camps Et aussi, ça ouais. manque énormément dans la réflexion abolitionniste dans l'espace français. C'est incroyable qu'on n'ait pas de réflexion sur les formes de continuité qu'il y a eu entre l'esclavage et l'incarcération. Pour moi, c'est une lacune énorme, et j'attends avec impatience que des gens mènent ce travail, à la fois d'un point de vue académique. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent, qui commencent à travailler sur ces questions-là. J'attends avec impatience leurs travaux, parce qu'on en a besoin pour couper l'abolitionnisme pénal de cette histoire relativement récente, centrée sur la prison. Et on a aussi besoin de groupes décoloniaux, de groupes antiracistes politiques qui s'emparent de cette question-là et qui élargissent l'horizon politique qu'on a sur cette question-là. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. Je pense que tu l'as vu, les travaux qui ont commencé justement sur les camps de rétention en Algérie, qu'on retrouve finalement à Calais, etc. Il y a des travaux effectivement d'historiens là qui commencent, ouais, effectivement dans le. Mais ça commence tout juste, quoi. C'est extrêmement récent, Ouais, extrêmement récent. extrêmement récent, ouais. Mais juste de faire cette histoire-là, on en a besoin de savoir en fait qui étaient les personnes qui étaient condamnées. Il y avait des régimes différentiels. Ça a été utilisé aussi comme des formes de colonisation, hein, Ouais. d'organiser le déplacement de population. Voilà. Alors après, enfin voilà, il y a un travail à la fois académique, mais aussi un travail politique. Il faut Oui, qu'il y c'est ait des ça. groupes politiques qui s'emparent de ces questions-là. Ouais, c'est pour ça aussi que cette discussion a lieu aussi. Elle permet d'échanger, de ramener des perspectives et d'autres historiographies, en fait. D'autres rapports à tout ça, quoi. C'est pour ça que je citais la liste, en fait, des grands convaincus depuis longtemps sur ces régimes d'exception qui finalement s'étendent et comment on appelle ça,
à la fois ils deviennent plus respectables entre guillemets dans la manière dont ils sont amenés, mais s'industrialisent, se massifient, comme si c'était avec une espèce d'euphémisation du fait, mais en fait avec une massification du truc, quoi. C'est vraiment, on est à l'ère industrielle, hein, de toute manière. Donc voilà, quoi, tout est en grand. Donc voilà, c'était pour faire le lien entre les différents courants, les différentes histoires. Et puis, c'est là, comme tu avais commencé avec l'histoire, surtout de la gauche progressiste, dans les 70, c'était histoire de croiser les histoires. Voilà. Je me censure parce que évidemment j'ai envie de continuer la conversation, Ouais, mais moi pareil, mais du on coup, avance. du coup, Valérie, tu Ben, voulais. ouais, ben je pourrais peut-être. C'est sûr que j'ai pas les connaissances en fait sur la situation au Canada, mais c'est clair qu'il y a des parallèles à faire avec ce dont vous discutez. Puis je pourrais amener ça en fait peut-être sur. En fait, tu mentionnes que. On mentionnait là, en fait que les féministes, dans leurs revendications, les mouvements féministes vont souvent faire appel au droit pénal, à demander des sentences plus longues ou criminaliser plus de gestes. Puis oui, en effet, donc il y a une recherche qui vient de sortir ici sur le harcèlement de rue qui va tout à fait dans ce sens-là. Mais donc, à la fois, les mouvements féministes font appel au pénal de cette façon-là, mais en même temps, tu mentionnes dans ton livre, encore une fois, que le mouvement féministe se désintéresse de l'enjeu carcéral, qu'il n'y a pas un lien évident, en fait, entre ce mouvement-là, puis la question de l'abolitionnisme en général. Puis, pourtant, il y a énormément de perspectives. D'enjeux dont on pourrait se saisir dans une perspective féministe, notamment les conditions de détention des femmes, l'impact de l'incarcération sur les proches, entre autres. Et je pense que le féminisme, là, il correspond précisément aux critiques qu'on lui adresse depuis longtemps, c'est-à-dire d'être blanc, d'être bourgeois, d'être Mais académique. de manière assez surprenante, tu as même certains courants de gauche. De manière Oui, ben, tout assez. à fait. Oui, enfin, qui se prétend de gauche, je ne sais pas, mais. Donc, Mais en tout de se cas. désintéresser, en fait, des personnes qui lui ressemblent pas. Puis, je pense qu'au Canada, justement, c'est. Donc, dans ton livre, tu poses la question de c'est qui le sujet féministe. Puis, je pense qu'au Canada, c'est intéressant, c'est important de la poser, cette question-là, par rapport à l'enjeu des prisons, par rapport à l'enjeu de l'abolitionnisme, parce que c'est au Canada, il y a 1 200 femmes. Qui sont autochtones, qui sont portés disparus ou assassinés. Ce nombre-là augmente à tous les jours. Elles sont surreprésentées dans les prisons. C'est ça. Je voudrais t'entendre, en fait, sur ce rapport pas naturel-là entre le féminisme et le mouvement abolitionniste. Puis, est-ce qu'il y a aussi il y a des exemples, en fait, de moments où est-ce que ce lien-là s'est fait plus. Efficacement, voilà. Oui, beaucoup de choses, merci. Alors, c'est vrai que moi, dans ma façon de parler, je parle de courant du féminisme et c'est vrai qu'il faudrait dire des féminismes, mais je comprends ce que vous désignez quand vous faites cette critique du féminisme, en tout cas d'un certain féminisme. Et c'est vrai qu'on peut faire le constat que les femmes qui sont en prison, les femmes qui ont des proches incarcérés, ça intéresse assez peu ce que moi j'appelle les courants dominants du féminisme. En même temps, faut reconnaître la diversité du féminisme. Je pense qu'on peut à la fois avoir cette critique de certains courants du féminisme et se dire que en fait, le féminisme n'appartient pas à ces femmes-là, il nous appartient à nous toutes et qu'on peut aussi au sein du féminisme, porter d'autres voix et porter la critique des courants dominants. Alors, oui, il y a cette ignorance qui, à mon avis, est comme tu l'as déjà suggéré, hein, qui est liée à des positions de classe, qui est liée à des questions de race, qui fait que aujourd'hui les courants dominants du féminisme se désintéressent des personnes qui sont touchées par l'existence du système pénal parce que d'une certaine manière ces femmes-là
ont ou espèrent encore pouvoir être protégées par ce système pénal. Hein, elles sont encore dans cette croyance que le système pénal est fait pour elles, en fait. Hein, et c'est bien pour ça qu'elles appellent à davantage recourir au système pénal, à toujours porter plainte, à ce qu'il y ait toujours des poursuites ou des condamnations qui soient faites. Je pense que quand on a un autre positionnement social, hein, qu'on soit issu des classes populaires, qu'on soit issu d'une minorité raciale, qu'on soit issu de l'histoire des migrations, on a souvent d'autres expériences du système pénal et donc quand même un doute fondamental que le système pénal il puisse être là pour nous protéger. Hein, parce que c'est des expériences qui sont extrêmement situées d'un point de vue social et d'un point de vue racial que d'avoir des proches qui sont incarcérés, hein, d'avoir un frère qui est en garde à vue, d'avoir un oncle qui est en prison, d'avoir peur dans la rue. Tout ça est extrêmement situé socialement et racialement. Et donc, pour ne pas avoir peur du système pénal et pour penser que le système pénal peut résoudre des problèmes, il faut être dans cette position privilégiée, hein, de quelque manière que ce soit. Donc, il y a bien là une question qui est liée à la position de classe, à la position raciale. Après, je pense que c'est important de dire les choses de façon assez claire, comme quoi, effectivement, les courants dominants du féminisme ont cette approche punitive, mais en même temps, faut le resituer, à mon avis, dans un mouvement plus général. Pas pour enlever de la responsabilité aux mouvements féministes ou aux féministes, aux militantes qui ont eu ou qui continuent à avoir ce genre de position, mais il faut quand même reconnaître que c'est un mouvement plus général qui a touché, on peut dire, beaucoup, beaucoup de secteurs des luttes qu'on peut qualifier progressistes, hein, que ce soit les luttes LGBT, des luttes contre le racisme. On peut dire qu'à partir des années 80, un certain nombre de secteurs qui étaient donc engagés sur des luttes progressistes ont fait de plus en plus confiance au système pénal, hein, en demandant à criminaliser certains actes en raison de leur caractère raciste ou de leur caractère antisémite, à reconnaître les discriminations raciales, à reconnaître les LGBT phobies, etc., etc. Alors tout ça, on pourrait rentrer dans des explications historiques, c'est pas vraiment ma compétence, mais en tout cas, on peut faire ce constat-là, hein, qu'il y a eu tous ces mouvements progressistes qui ont accepté l'idée que l'on pouvait se placer sur le terrain du droit, comme si le droit pouvait être neutre ou comme si le droit pouvait être progressiste. Et tout ça n'est pas venu totalement par hasard, hein, il est lié aussi à ce qu'on appelle le populisme pénal, l'instrumentalisation des politiques pénales, cette idée que les politiques pénales pourraient apporter du progrès, alors pour la cause des femmes, pour la cause des minorités, pour la cause des LGBT, etc. Donc il y a ce mouvement assez général et encore une fois, sans dénier la responsabilité aux militants, aux militantes, aux mouvements politiques. Il y a aussi ce mouvement plus général dans lequel les uns et les autres ont été pris. Et donc, je dis ça parce que ta question, c'était aussi, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux, de distinguer voilà, des approches punitives et des approches abolitionnistes? Et je dirais que, en fait, si on regarde de quelle manière les mouvements féministes, par exemple, s'emparaient des questions de violences à caractère sexuel ou des violences contre les femmes dans les années 70, ben on n'avait pas exactement les mêmes discours que ceux qu'on a aujourd'hui. Alors, je ne connais pas la situation au Canada, c'est quelque chose que je connais un peu mieux pour la France, pour les États-Unis, enfin, je ne le connais pas de première main, c'est des travaux qui ont été faits là-dessus, mais on voit qu'il y a eu dans les années 70, par exemple, c'est le travail de Jean Bérard en France, qu'il y a eu des résistances à la criminalisation du viol dans les mouvements féministes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un consensus parmi les féministes pour appeler à davantage de criminalisation des viols. Alors, pourquoi? Enfin, en tout cas, ce qui apparaît dans les documents historiques, c'est notamment le choc
ont eu beaucoup de, enfin, un certain nombre de féministes, de se rendre compte que les premières condamnations portaient sur des hommes issus de l'histoire de l'immigration, de l'histoire coloniale, hein, et que ça a été pour elles un choc de se rendre compte du caractère raciste, en fait, de ce vers quoi elles avaient poussé. Donc, faut voir qu'aujourd'hui, hein, cette idée qu'il faudrait punir pour faire avancer la cause des femmes, ça paraît dans beaucoup d'espaces politiques comme une évidence. Ça n'a pas toujours été le cas. Et puis, ce qu'on peut dire à côté de cette histoire de une sorte de bulldozer ou de cette impression qu'il n'y aurait qu'un féminisme, il y a eu quand même des mouvements pour s'opposer à ce genre de discours qui ont souvent été extrêmement minoritaires et invisibilisés. Et là encore, je pense que Ador est mieux placé que moi pour en parler, hein, mais les travailleurs et travailleuses du sexe, les personnes aussi dans les groupes, beaucoup de groupes LGBT ou queer selon les dénominations, selon les pays, les cultures politiques, les groupes anarcho-féministes. Hein, il y a toujours eu des voix pour s'opposer à cette idée que le recours au système pénal, la criminalisation ferait avancer la cause des femmes, la cause des LGBT, de certaines catégories particulières. Alors, pardon, je me permets quand même d'ajouter quelque chose qui me semble important, c'est que il y a évidemment des groupes qui se disent à la fois abolitionnistes et autre chose, et puis il y a aussi des groupes qui, sans utiliser cette étiquette d'abolitionnisme, sans utiliser le terme, s'opposent à la criminalisation. Hein, je pense qu'il faut rester, enfin voilà, que il ne s'agit pas de faire une distinction juste basée sur la façon dont les gens s'identifient politiquement, hein, mais que les critiques de l'État et du système pénal, ce n'est pas le monopole non plus des abolitionnistes. Oui, c'est ça, c'est aussi pour ça que je voulais refaire une petite histoire aussi des luttes contre le pénal qui n'avaient pas forcément ces dénominations-là, mais qui étaient déjà dans cette lancée-là, quoi. Hein. Mais par contre, ouais, il y aura un gros morceau qui va pas tarder à arriver par rapport à la question de la race. Et par rapport à la question des féminismes, c'est pas toujours si évident que ça. On peut avoir une position entre guillemets progressiste, mais participer quand même à la création de la criminalisation de certaines catégories racialisées. Hein. Donc, mais bon, je rends la parole à Valérie. Je sais pas comment elle voulait poursuivre là. Si on a répondu à tes questions. Mais oui, tout à fait. Mais je pense que là où tu veux aller, ça va. Ça va tout à fait dans le sens de la poursuite de... Ouais, du coup, on enchaîne comme ça. Mais oui, ouais. Vas-y. Bah, en fait, c'est ça, t'abordais les courants hégémoniques, et puis on a aussi des surprises dans le féminisme qui est censé être antiraciste sur la création de certaines catégories. Et en fait, du coup, comme tu as fait tu avais rédigé aussi la préface de Capitalisme racial de Jackie Wang, elle a quand même un bon petit morceau sur les années 90 et la création des super prédateurs. Et je pense que c'était pas une intéressant de soulever ça, parce que je pense qu'aujourd'hui tout le monde a vu le film When They See Us. C'est le film qui raconte l'histoire de cinq enfants qui ont été incarcérés suite à. Au viol, c'était un viol aggravé, hein, même, parce qu'il y avait des violences sur une joggeuse blanche. Voilà. Et en fait, même pas, je suis même pas sûre qu'ils aient été condamnés déjà au moment où Bell Hooks a écrit à leur sujet, parce que l'affaire, elle arrive en avril 89, enfin, les faits arrivent en avril 89, et son livre, il sort en 90. Alors, le nom du livre en anglais, c'est Your Only Grace, Gender and Cultural Politics. Je vais vous lire deux extraits qui m'avaient choqué il y a longtemps, mais qui ont été réétudiés et qui inscrivent, en fait, c'est pas que pour être méchante avec elle, hein, il y en a deux qui sont dans le même cas, et qui sont étudiés aujourd'hui. On revient un petit peu sur les fondations de certaines choses qui n'ont pas forcément été...
questionner ou étudier ou prouver. Donc, en fait, de mon point de vue, elle a condamné et elle n'a même pas, comment dire, ils n'ont même pas eu le droit à la présomption d'innocence avec cet auteur. Et donc, je vais vous lire un petit extrait sur qui te bien la bestialisation et le côté super prédateur de gamins à dos noirs dans le cadre de la théorie politique féministe noire. Donc, elle disait beaucoup de noirs, particulièrement les hommes noirs, usant d'un paradigme sexiste qui suggère que le viol des femmes blanches par les hommes noirs est une réaction à la domination raciste, vend l'affaire de Central Park une accusation du système raciste. Il ne voit pas le sexisme comme ayant influencé sur la nature du crime et le choix de la victime. Alors ça, c'est page 61. Et comme dit, c'était en 90, alors que l'affaire de ces adolescents a eu lieu en 89. Hein. Ensuite, elle ajoute que si l'on considère cette affaire en combinant une analyse féministe de la race, vous m'entendez encore parce que j'ai un... Ouais, ok. Et de la masculinité, on voit que le pouvoir masculin sous le patriarcat est relatif, les hommes issus des groupes les plus pauvres et les hommes de couleur n'étant pas capables de récolter les fruits matériels et sociaux de leur participation au patriarcat, en fait, ils souffrent souvent d'accomplir passivement un mythe de la masculinité qui menace leur vie. La pensée sexiste les rend aveugles à cette réalité. Ils deviennent victimes du patriarcat. Nul ne peut véritablement croire que les jeunes hommes noirs impliqués dans l'affaire de Central Park n'étaient pas engagés dans l'accomplissement sous forme de suicide rituel, d'une masculinité dangereuse ou à menacer leur vie et leur bien-être. C'est-à-dire que là, on arrive quand même à faire passer des garçons pauvres, encore plus pauvres et moins privilégiés que les blancs, pauvres même, du fait que, de toute manière, il y a déjà toute une construction de l'État raciste, bah, qu'elle connaît bien quand même dans la tradition des luttes noires, donc ils sont déjà condamnés par la société à la naissance, quoi. C'est un crime de naître, de naître noir, et l'État et l'État policier leur font bien sentir régulièrement. Et donc là, on est dans une déshumanisation de ces enfants-là, alors qu'ils subissent aussi, de la part du pouvoir armé, de la police, des agressions sexuelles, qui est aussi une expression du patriarcat blanc, c'est-à-dire celui qui a de la puissance. Et qui est bien évidemment ce sont des crimes d'État, quoi, hein, ce que les flics font, ils sont mandatés par l'État, quoi. Et donc, dans tous ces courants-là, antiracistes, féministes, on se retrouve encore dans une présentation de l'homme non blanc comme monstre, la pire encore une fois, d'enfants adolescents. C'est-à-dire que, en plus, même en prenant en compte partiellement une analyse de l'esclavagisme ou du colonialisme, c'est-à-dire que ça en fait des masculinités subalternes, certes, mais ça les réduit à des bêtes sauvages et non pas, en fait, à des personnes vulnérables. C'est systématisé comme des prédateurs, en fait. Et elle, ce qu'elle dit quand elle parle de suicide, en plus, sous forme de rituel suicide, elle sous-entend qu'en fait, ils n'accordent pas de valeur à leur vie, donc du coup, nécessairement pas à celle des autres. Et tout ça, et c'est sous-tendu par rien. Il n'y a pas de preuve de ça. Il n'y a pas eu d'étude de ça. Et elle arrive à, du coup, à produire quelque chose de très 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 essentialisant, quoi. Et moi, ce que je trouve un peu dramatique dans ces courants-là, c'est que ça traite beaucoup de ça, mais quand bien même il y en aurait des comme ça, on n'a pas droit à la palette de la diversité des masculinités non blanches, c'est-à-dire on n'y met jamais face à ça aussi une masculinité positive qui existe, parce que je suis désolée, moi je ne connais pas que ça, je ne suis pas tout le monde, hein, mais je veux dire, je déplore un peu, et ça commence un peu, les Black Male Studies et puis les masculinités non blanches commencent à être étudiées, mais le fait de ne traiter que l'aspect négatif, ça ne les rend pas dans leur humanité, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas les autres parties, quoi, nos pères, nos frères, nos camarades, nos soutiens, nos amis, ceux qui peuvent être là pour nous aussi, dans le cadre d'agressions à la fois sexistes, ou sexuelles ou policières. On a eu un cas assez intéressant récemment, lors d'une agression d'une femme trans dans le métro, enfin, pas loin de chez moi d'ailleurs. On a pu voir deux, trois hommes noirs s'interposer entre la police qui était ultra violente avec cette personne et qui était là. Et ça on n'en parle jamais, quoi. Donc, je veux bien qu'on parle du pire, mais le fait de ne parler que de ça reproduit l'image qui est déjà produite et qui est déjà vendue depuis les annonces Antilles, depuis Jim Crow, depuis
depuis les pique-niques sympas où on profite des pendaisons, depuis l'époque où on pouvait pendre un homme noir parce qu'il avait eu un regard lubrique envers une femme blanche. Et on est toujours sur cette image-là, et c'est ce genre de construction qui ont pu générer la pénalisation d'enfants comme des adultes dans les années 90, et on est toujours dedans, quoi. Et on a vu aussi ça arriver en France, notamment avec les enfants, les jeunes mantois, et on a encore pu voir les choses s'aggraver récemment avec, la loi contre les séparatismes, avec des enfants qui se retrouvent en garde à vue. Comme on peut voir ça ici, beaucoup d'adolescents autochtones. Alors, je ne connais pas très bien pour les très jeunes noirs, mais il me semble que c'est la même chose. Mais c'est dès l'adolescence, en fait, qu'on les enferme. Et maintenant, c'est quasiment tout le système qui est comme ça aussi aux États-Unis. Hein. On enferme les ados femmes, et, enfin, femelles et hommes. Enfin, je ne veux pas genrer non plus, parce qu'il y a, voilà, il y a la question de cette binarité qui a été imposée aussi à certains peuples et certains fonctionnements. Et on arrive à juger des enfants comme des adultes. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être abolitionniste pour être critique de ce genre de féminisme ou de pratique qui tend à représenter politiquement, dans une théorie politique, des enfants comme des super prédateurs qui, finalement, en plus de ça, n'étaient même pas coupables, in fine. Qui pourraient tolérer, quoi, c'est ça, qu'on les traite, ouais, comme des adultes, quoi. C'est toujours un truc qui m'a... Voilà, après, on est tous... On a toutes nos limites par rapport à ça, mais je pense que n'importe qui, abolo ou pas abolo, il peut trouver ça inadmissible de traiter les enfants comme des adultes. Quels que soient les actes commis ou la nature des actes qu'ils ont commis. Hein. C'est pas, je ne rentre même pas dans les détails de la barbarie ou pas de la barbarie, du petit vol, du petit larcin, ce n'est pas la question. C'est une position de principe, je pense, qu'on devrait avoir par rapport aux enfants. Quoi. Mais bon, donc du coup, avec ça, je vais... On est au Canada, donc bien évidemment... Encore une fois, les populations non blanches, y compris les femmes autochtones, hein, sont surreprésentées dans les prisons. Donc, la question du profilage racial, elle est là, comme aux États-Unis, comme en France. Donc là, c'est le terme comme ça. En France, on dit contrôle aux faciès. Je ne sais pas comment on dit aux États-Unis. Et alors, on est surtout épaté du temps, du nombre, c'est les chiffres assez extraordinaires, et ne cesse d'augmenter chez les autochtones, notamment parce qu'on cumule un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on enferme des adolescents. Ils ont les peines les plus longues et ils n'ont jamais les replis de peine. En fait, du coup, ça ne se vide jamais, ça ne fait que se remplir. Et les chiffres, c'est incroyable. Ces dernières années, on est passé quasiment à un tiers de la population carcérale qui est autochtone, alors que c'est peut-être même pas 5% de la population totale, que ce soit au Canada ou au Québec. Hein, quelles que soient les provinces, la moyenne est assez... c'est quasiment les mêmes. Alors, pour un petit truc aussi intéressant, dans une des analyses qui a été faite par rapport à l'incarcération des autochtones, et qui rejoint du coup la question pénale encore une fois, c'est qu'ils n'ont pas forcément la culture blanche et coloniale de la justice, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des gens qui ont intégré ou qui ont été conseillés pour intégrer qu'en fait, dans le système pénal, il ne s'agit pas non plus de prouver ton innocence ou non, ou de l'être ou de ne pas l'être, et que tu ne dois pas t'incriminer et tu dois te défendre, que tu sois coupable ou non d'une certaine manière. Et en fait, ils ont une autre notion de la justice, mais du coup, plus ça, d'un point de vue philosophique et non d'un point de vue pénal, qu'il faut qu'ils ont tendance à reconnaître tout de suite les torts qu'ils ont pu commettre. Or, ce n'est absolument pas la chose qu'il faut faire dans ce système pénal. Qu'il soit québécois ou qu'il soit canadien, c'est absolument pas comme ça que ça se passe dans une cour. Tu n'as surtout pas intérêt à t'incriminer, au contraire, tu as intérêt à défendre ton dossier. Enfin, c'est pas une question de vérité, on n'est pas dans ces réflexions philosophiques. En fait, le système n'est pas fait comme ça, et donc du coup, en fait, forcément, ils n'ont pas une bonne défense. Ils ont rarement aussi un accompagnement, etc. Mais peu importe, parce qu'il y a aussi cette injustice d'accès effectivement à une défense qui va jouer. Et ça explique en grande partie une surincarcération, quoi. Et je pense aussi, là il y a deux travaux qui le prouvent, mais là je suis désolée, j'en ai pas à vous citer. Il y a aussi, je pense, la continuité aussi du génocide, de manière qu'elle soit inconsciente ou pas inconsciente, c'est-à-dire t'enfermes, tu fais disparaître, on continue à essayer de faire disparaître de cette manière-là. C'est comme on l'avait fait avec les pensionnats, on continue comme ça. D'ailleurs, on m'a fait, Étienne m'a fait découvrir un cas assez fascinant qui s'appelle le collège Manitou. Alors, c'était un collège qui était le premier établissement au Québec qui était fait par et pour les Premières Nations.
et qui n'a pas du tout duré longtemps et qui a fini par être une prison, quoi. On est passé de l'école à la prison en même pas 3 ans, hein, c'est ça, hein, si je me rappelle bien. Dis-moi si je me trompe. Ouais, c'est ça, c'est 3 ans, je crois. Hein. Ça n'a pas duré longtemps, c'était une école qui finit par être une prison. Bon, enfin, on sait très bien aussi à quoi ça sert l'école, hein. C'est pour faire des citoyens, hein. C'est pas pour faire... Voilà, mais donc, en gros, le tout carcéral qui se poursuit, même depuis l'abolition quand même des pensionnats en 96, quoi. Donc, on est quand même dans la continuité, voilà, génocidaire. Bon, il y a un point quand même que je voulais encore une fois aborder aussi par rapport aux hommes, c'est qu'encore une fois, ils ne sont pas du tout analysés dans leur... de leur entièreté, donc contrairement où les femmes, on va essayer de prendre en compte tout, les conditions sociales, la classe, le genre, la race, ce qu'on a de positif, de négatif. Par exemple, on va parler de la victimisation, on peut être à la fois victime et à la fois criminelle dans certains cas, par exemple. Ben, je sais pas, on va parler des addictions, etc. Alors ça, on arrive à prendre ces dimensions-là, du côté victime et du côté, on va dire, ben, victime bourreau, pour ne pas rentrer dans des trucs, dans des terminologies pénales, mais ça, on le fait rarement pour les hommes, quoi. C'est-à-dire que on est dans des absolus, en fait. On est vraiment dans des absolus et dans des caricatures, donc je pense que ça n'aide pas non plus. Et je ne sais pas si, du coup, vous avez envie de rebondir là-dessus, sur les représentations, comment vous les avez étudiées. Enfin, toi, Valérie, si tu as envie de réagir, ou Gwen, je pense que toi, tu as de la matière aussi, hein, avec, je pense, ton terrain aux États-Unis d'investigation. Oui, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais je sais que je peux parler beaucoup, donc j'y vais. Non, ouais, en, fait, vas-y, en bien, particulier, c'est quelque chose sur lequel je voulais réagir, Nesrine, c'est sur ce que tu disais sur les peines des populations autochtones, et c'est pas simplement sur les autochtones. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, et merci d'avoir partagé ça. Ouais, mais en fait, c'était une autre dimension que je voulais peut-être ajouter, c'est que en fait, une peine, c'est pas simplement une durée. Et que, en fait, la même durée pour différents types de personnes n'a pas les mêmes conséquences sociales. Ouais. Et du coup, il faut toujours replacer le sens du prononcé d'une peine dans ce que ça va signifier dans une expérience sociale. Ouais. Je dis ça parce que ce soit pour les populations autochtones ou pour les minorités raciales, bah, en fait, la peine, elle vient s'ajouter à d'autres formes de vulnérabilité, à d'autres difficultés sociales. Et donc, bah, 1 an pour un autochtone qui est pauvre, qui n'a peut-être pas beaucoup d'éducation, etc., l'effet social va être beaucoup plus important que pour quelqu'un qui a beaucoup d'autres ressources. Ouais, même ça, là, on est même dans des mortalités plus importantes, en fait, à cause de ça, pour la question autochtone. Moi, je pensais effectivement qu'on allait pouvoir revenir. C'est par exemple la question des solidarités. Vous faites pas du tout la même peine si vous recevez régulièrement de l'argent de vos proches. Donc même le vécu entre quatre murs, il n'est pas le même selon la position sociale, selon beaucoup, beaucoup de choses. Alors après, ça n'empêche pas, hein, de faire une critique de la longueur des peines, mais il faut aussi voir de quelle manière ça impacte différemment les gens. Ça impacte aussi différemment selon qu'on est un homme, selon qu'on est une femme, par exemple, hein. Ça aussi, c'est quelque chose qui est bien connu. Comment la même durée de peine pour les personnes transgenres a beaucoup plus d'effet que pour les personnes cisgenres, parce que souvent, lorsqu'elles sont en prison, elles se confrontent. Les personnes transgenres se confrontent à des difficultés qui leur sont spécifiques, enfin des obstacles de l'administration pénitentiaire qui leur sont spécifiques. Il y avait autre chose aussi qui me donnait envie de rebondir dans tout ce que tu as dit, parce que tu parlais des enfants. Là aussi, moi, c'est pas quelque chose qui est vraiment au centre de mes préoccupations de recherche, mes travaux militants. Mais il y a un concept que je trouve extrêmement intéressant d'un point de vue militant et qui dit beaucoup de choses après en termes de recherche aussi. C'est ce qu'aux États-Unis, on appelle le pipeline entre l'école et la prison. Alors, je ne sais pas si vous, au Québec, vous avez cette expression aussi en français, mais... C'est cette expression, mais... Elle est importante pour l'expression principale. Elle dit à la fois les ravages que font les écoles, les personnels enseignants
sur des populations issues de l'histoire de l'immigration, issues de l'histoire coloniale, avec quand même des personnes qui sont souvent, on pourrait dire les choses rapidement, des progressistes, qui se pensent pas racistes, etc., mais qui, en fait, participent à des politiques, des écoles, qui participent à des formes de policing, enfin de mise en pratique de politiques qui ont des effets totalement dévastateurs sur une partie de la jeunesse. Alors, on voit ça aussi pour les jeunes LGBT. On voit comment le fait d'être LGBT à l'école et la confrontation à un système scolaire qui est quand même extrêmement sur des normes hétérosexuelles, des normes cissexuelles, a des effets sur l'expérience des jeunes à l'école, et puis comment ces politiques scolaires vont résulter dans des exclusions, des formes d'exclusion sociale, etc. Et au long du cours, va aboutir à la criminalisation de l'incarcération. Je dis ça parce que bah, je suis prof et du coup, enfin voilà, je fais partie de cette catégorie de gens où, bah, voilà, avec même la meilleure volonté du monde, on est quand même pris dans une institution qui a ces effets-là. Je pense que c'est toujours important de l'avoir à l'esprit, que beaucoup de choses se jouent à l'adolescence ou pour les jeunes adultes. Oui. Ben je rebondirais peut-être là-dessus sur la question de l'école parce que. Oups, Nesrine, on ne t'entend pas, mais je vais continuer. Tu es encore sur mute, Nesrine. Ah ben c'est une bonne nouvelle du coup, parce qu'en fait, j'avais plus de batterie pour les écouteurs, donc ça veut dire que ça fonctionne là, avec l'ordi. Hein. Je vais juste rebondir sur les écoles parce que bon, je l'ai dit d'entrée de jeu que je suis enseignante, je suis enseignante au secondaire. Puis ben, présentement, je travaille en milieu hospitalier, mais c'est vrai que les écoles secondaires, en fait, toute la reproduction dans les écoles de briser en fait des possibilités pour certains élèves en fonction évidemment de la race, en fonction du parcours d'immigration. Donc, il y a Robin Maynard dans Policing Black Lives qui consacre tout un chapitre à l'école, puis au rapport de l'école à la jeunesse noire, en fait. Puis, c'est ça, c'est qu'il y a énormément. Il y a évidemment plus de punitions. Donc, dans le milieu scolaire, on part avec l'idée que ces enfants-là sont soit ils appartiennent à des gangs de rue ou qu'ils vont être plus turbulents. Je me rappelle d'une conférence à laquelle j'avais assisté où est-ce qu'il y avait un grand jeune homme noir, peut-être qui était maintenant dans la vingtaine, qui disait à quel point ça avait été une expérience traumatisante pour lui, l'école, quand il avait réalisé que son professeur avait peur de lui, parce qu'à 13 ans, 14 ans, il était déjà grand, il était déjà costaud. Donc, ces enfants-là, ils passent beaucoup plus de temps dans les corridors, ils sont beaucoup plus dans des classes d'adaptation scolaire, c'est comme ça qu'on appelle ça ici au Québec, donc pour des élèves qui ont des difficultés, alors que c'est pas nécessairement le cas, c'est pas nécessairement des élèves qui ont des diagnostics. Donc, je pense que l'école, c'est en effet une autre illustration de cette idée-là d'un système pénal peut-être qui déborde un peu de la prison puis de la justice, en fait, puis. Ça, c'est une des questions que je trouve intéressante dans ce que Nesrine apportait aussi, en fait, cette idée-là que on a de la difficulté à sortir de la logique pénale puis qu'elle se reproduit dans beaucoup de sphères. Puis, bon, tantôt, tu avais bien pris la peine de préciser qu'il y avait plusieurs féminismes, mais moi, c'est vraiment dans cette perspective-là que je trouvais que je pouvais me prononcer en fait sur ces questions-là parce que je sais que en tant que femme blanche éduquée, tout ça, je peux en profiter en fait de cette logique-là, de cette reproduction-là du pénal où je peux en fait l'amener aussi, fait que j'ai envie de réfléchir à comment ça se reproduit. Puis
un peu plus tard. En fait, j'aimerais beaucoup qu'on parle de la justice transformatrice, puis comment ça se matérialise dans les milieux militants, en fait, puis comment on a aussi de la difficulté à sortir de cette logique-là dans les milieux militants. Je te laisse la parole, Nesrine. Non, c'est juste pour un ajout d'ailleurs qui m'avait marqué déjà il y a quelques années, c'était l'interdiction de flâner aussi. Oui. Mais alors, mais t'as des pas. C'est la question du harcèlement de rue, hein. Oui, complètement. Mais exactement, c'est le pendant policier, mais ce harcèlement de rue, on n'en parle pas, quoi. Mais bon, enfin, moi, ça me rappelle les lois coloniales. Encore une fois, ça me rappelle le code de l'indigénat plutôt. Mais si tu veux, c'est qu'en fait, c'est pas comme en France où t'as les flics, on te voit traîner, c'est comme ça. Tu as des panneaux interdiction de flâner dans certains quartiers militants. Donc, ton groupe, tu ne peux pas être jeune et aller dans le parc. Ah, mais si tu n'as pas de parc, tu ne peux pas te promener dans ton quartier, quoi. C'est tout de suite suspect, c'est tout de suite criminel. Et ça renvoie à ce que disait aussi Valérie par rapport à l'intérieur. Les gangs, tu vois, la création, encore une fois, des super prédateurs, mais de partout, quoi. C'est-à-dire que le carcéral, pour les non-blancs, il commence effectivement, ou les blancs pauvres aussi, ils commencent déjà à l'école, en fait. Mm-hmm. Puis, en fait, on n'a pas parlé par rapport à l'école, mais au Québec, on est maintenant aussi tout à fait dans la même logique que ce qui se passe en France avec l'adoption des lois contre le port de signes religieux. Puis, donc, puis dans les cégeps, en fait, il y a aussi eu beaucoup de surveillance, comme on appelle, là, quand on dit que des gens deviennent extrémistes. Non, donc, c'est vraiment des lieux de... Oui, la radicalisation. Donc, en fait, on est en train aussi de créer des nouvelles sources de tension puis des nouvelles sources d'exclusion à travers ces politiques-là sur la laïcité. Et de flicage. C'est la criminalisation. Donc, après, ici, vous dites policing, et en français, c'est c'est du flicage. Je ne sais pas s'il y a un mot élégant pour le dire. Quand tu mets des flics sur le dos, en français. J'essaie de me souvenir comment on dit ça de façon élégante, mais là, j'ai oublié. Donc, flicage me va très bien. Flicage, ça va, je pense que tout le monde comprend. Alors, sinon, on expliquera. Nesrine, est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Sinon, je me lancerai peut-être dans la question de la justice transformatrice. Il est déjà 22 heures moins... Bah ouais, j'aimerais dire un dernier mot avec, pas toute seule, hein, avec vous toutes, parce que je pense que vous avez aussi un avis là-dessus. Donc bon, il y a eu Floyd, il y a eu le jugement de Chauvin, voilà. Et puis là, en Belgique, on a un cas similaire dans les conditions de la mort, dans les conditions du traitement de la personne, dans lequel, en fait, c'est un jeune homme qui a été tué de la même façon, c'est-à-dire étouffé, parce qu'il avait des dettes, et donc des dettes d'huissier qui traînaient. Donc, ils sont allés à Biflic, chez lui, hein, et il a été assassiné sur son canapé. Sauf que là, en fait, c'est pas la question d'espérer quoi que ce soit de ces États racistes coloniaux. La Belgique, je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est le Congo, hein, y a une histoire de la négrophobie d'État, enfin... Voilà, qui n'est pas à... Ils sont dans le déni comme le Québec, hein, je veux dire, non, pas chez nous, le racisme systémique, quoi. Hein. C'est pareil. C'est les États-Unis, comme en France. Hein. La vieille Europe a le même discours que le Québec sur la question raciale. Or, en fait, le truc, c'est que là, quand tu vois que les dettes n'ont rien à voir avec le fait que c'est un homme dangereux, donc les peines, on est sur le pénal, c'est-à-dire que tu deviens un criminel parce que tu as 2000 euros de dettes d'huissier, quoi. Donc, ça pose encore en question la définition du crime. Je ne pense pas qu'on soit un criminel parce qu'on a 2000 euros d'impayé de loyer, par exemple, parce que c'est quelqu'un de pauvre, hein, ce n'est pas quelqu'un qui avait 2000 balles de dette parce qu'il a fait acheter une... J'en sais rien, mais c'est 2000 euros, quoi. Hein. Et une vie pour ça, quoi. Donc, ça pose encore une fois un argument sur l'abolitionnisme pénal. Et aussi, ça a l'air que, comme d'habitude, il y a une surcriminalisation aussi de la famille aussi autour, qui là se retrouve endettée, qui est endettée au mois de janvier à 30 000 euros de dette parce que le corps de cet enfant est pris en otage. Enfin, de cet enfant, enfin là c'était un adulte, mais donc les parents ont survécu, quoi, parce que c'est un adulte de 26 ans, très jeune. Et en fait, ils ne rendent pas le corps. Ils n'ont pas pu le rapatrier d'où vient la mine Bangoura. Et en fait, c'est une accumulation de dettes parce que tu payes pour la morgue. Et les parents payent pour la morgue. Donc, en gros, suivant, on n'a toujours pas l'histoire du corps, de ce qu'il a vécu. Donc, c'est toujours une quête de vérité, quoi. C'est-à-dire que c'est un système qui criminalise tout le monde autour, qui, bien évidemment, au sens philosophique, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de deuil non plus.
Pas de deuil possible, pas de corps, pas de deuil possible. Donc là, ils ont fait, ils ont essayé de faire ça hier. Il y a un événement à la fois militant, à la fois de la famille, etc., pour essayer d'entamer des processus de deuil par rapport à tout ça, parce que l'affaire n'est pas terminée, le dossier n'est pas clos. Enfin, voilà. Et bon, dans un cas, effectivement, on a reconnu la criminalité de Chauvin dans un cas, et tu me corrigeras, hein, Gwen, on a donné réparation financière à la famille de Floyd, mais dans les deux cas, il y a réellement justice, en fait. Hein. Bon, dans un cas, on se retrouve avec des dettes en plus, la possibilité d'enterrer, etc. Mais dans l'autre cas, ce n'est pas parce que Chauvin a été reconnu coupable et qu'ils ont balancé quelques milliers de dollars qu'il y a justice. Et j'ai même tendance à C'est penser. plutôt des millions, hein, mais... Ouais. Bon, c'est pas, enfin, on n'est pas là, quoi. Je veux dire, c'est l'Amérique aussi. Mais je veux dire que je ne pense pas que cette somme, qu'elle en soit-elle, elle apporte justice ou qu'elle répare la perte. Et surtout, j'ai l'impression que tout ce qu'a fait là, le système pénal, judiciaire, policier, j'ai l'impression que ça les sert plus eux que la justice ou que la lutte contre le racisme. J'ai l'impression que c'est plutôt. Ça profite au système, quoi. Ça le rend mignon. Il a fait son petit ménage, il a fait son prix avec les pommes pourries, comme ils aiment dire. Ça donne l'illusion d'un système qui marche, alors qu'en fait, non, c'est effectivement un système qui marche, qui tue parce qu'il fait bien son job, quoi. Et pas parce qu'il y a des mauvais gars ou je sais pas quoi. Je ne pense pas que, enfin, dans les deux cas, il y a justice, pas plus reconnaissant que Chauvin est coupable, alors que c'est l'institution, c'est l'État qui est raciste, en fait. C'est pas un gars qui est bon, il est ignoble aussi au demeurant, vu le casier, vu tout ce qu'il a derrière lui comme casserole, celui-là en particulier, mais ça change rien. À ce moment-là, on a tous vu la vidéo. En fait, il n'y avait peut-être pas d'intention de tuer, mais en fait, il n'y avait juste pas de valeur accordée à cette vie, tout simplement. Pour moi, il n'y avait rien pour qualifier ce crime comme tel. C'était soit tu avais premier degré, deuxième degré, donc c'était l'intentionnalité, ou comment on appelle ça, c'est quand tu prépares. C'est la Préméditation, préméditation. c'est ça. Tu avais deux qualificatifs, est-ce que c'était prémédité ou est-ce que c'était intentionnel? Mais en fait, ce n'est pas la vérité de ce crime. La vérité, c'est qu'il n'accordait aucune valeur à la vie de cet homme noir. Il n'avait rien pour qualifier ce mec a fait, en fait. Donc bon, il n'y a pas de justice, quoi. À part que là, ils peuvent faire les beaux et que ça a évité une insurrection, parce que bon, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu de la pacification, cette condamnation, mais bon, bah voilà, j'arrête là, moi. Et en plus, ça risque d'être... soit cassé comme décision, avec notamment l'argument que risque d'utiliser la défense de Chauvin comme ça a été utilisé dans d'autres cas. C'est-à-dire que ils vont mettre en avant le fait que le jury n'était pas dans une situation d'apporter une décision tout à fait détachée des circonstances qui l'entourait, c'est-à-dire que ils vont plaider le fait que le jury s'est senti obligé de donner une décision de culpabilité justement pour éviter les émeutes. Bon, je ne sais pas à quel point vous avez pu ressentir ça chez vous, mais en tout cas aux États-Unis, c'était extrêmement fort, hein, la tension. Il y avait déploiement des gardes fédéraux dans beaucoup, beaucoup d'endroits, même ici en Californie, il y avait ça. Mon université a eu toute une politique le jour même, hein, c'était extrêmement tendu. Donc ça risque de jouer en faveur de la défense de Chauvin, hein. C'est évidemment loin d'être fini, hein, l'histoire légale de Chauvin. Après, moi, je te rejoins beaucoup, hein, sur l'analyse des conséquences de la décision. Elles sont extrêmement limitées, bien évidemment. On peut reconnaître que pour ses proches, ça a sans doute une importance que c'ait été reconnu et peut-être que ça va permettre de passer à autre chose dans les étapes de leur deuil. Ce dont je doute, à vrai dire, parce que en fait, l'affaire Chauvin, elle va pas se refermer comme ça. Ça va être des années de bataille légale. Mais en tout cas, on peut reconnaître en tout cas cet aspect-là pour ses proches. On peut aussi reconnaître le soulagement que ça a été pour beaucoup de personnes, et notamment les personnes noires, une forme de soulagement, hein, parce que
À l'inverse, s'il n'y aurait pas eu cette condamnation, ça aurait été encore extrêmement blessant. Enfin, le terme blessant et peu de mots par rapport à ce que ça aurait signifié. Donc, je comprends tout à fait, il y a cette peur que ce ne soit pas reconnu. Et là, on en revient aux besoins des victimes hein, que j'évoquais tout à l'heure. Et je pense que les Noirs sont victimes dans cette histoire-là. Enfin, personne aux États-Unis ne peut nier que d'un point de vue simplement émotionnel, ça a été une année extrêmement dure pour les personnes noires et donc au-delà pour les minorités raciales. Donc on peut tout à fait comprendre ce que cela signifie pour un certain nombre de gens en termes de soulagement. Mais évidemment, si on regarde les conséquences de cette condamnation, ben on va avoir un tout autre aspect de la question. C'est à la fois des doutes évidents sur les effets de cette décision sur le comportement des policiers. Hein, j'ai perdu le compte, hein, mais je crois que dans les 10 jours qui ont suivi la condamnation, il y a eu au moins 6 personnes tuées par des policiers. Et des enfants, une enfant, ouais. Oui, et il y a beaucoup, beaucoup de craintes qu'il y ait une augmentation des meurtres policiers hein, dans les mois à venir. Donc, l'effet soi-disant de sur le comportement des policiers est vraiment l'objet de controverses, même d'un point de vue scientifique. Et puis après, il y a évidemment sur le champ politique, comment l'institution policière peut bénéficier de cette décision. Et on le voit déjà au niveau fédéral, avec le projet des démocrates d'avoir donc un projet de loi avec le nom de George Floyd, qui va dans le sens de plus de judiciarisation des comportements des policiers et donc cette idée hein, d'une institution qui pourrait être plus respectable parce que lorsqu'il y aurait des cas de dysfonctionnement, de violence policière, les personnes pourraient être reconnues coupables. Et je pense que lorsque on regarde ce type de discours, ça nous dit bien aussi les limites de toutes les réflexions qu'il y a en termes de violence policière. Moi, c'est une expression qui n'appartient pas du tout à mon vocabulaire, que j'utilise parfois pour se faire entendre. Mais lorsqu'on parle de violence policière, on parle en fait la langue de la police, on parle la langue de l'État, hein, parce que eux aussi sont contre les violences policières. Hein, ils sont pour une institution qui soit acceptable et qui donc soit qui gomme hein, ces aspects malencontreux qui détériorent la confiance que pourraient avoir les citoyens et les citoyennes dans l'institution. Je pense qu'il est plus pertinent de dire et de façon claire qu'il s'agit de crimes d'État, de ramener ça à la question de l'État, ce qui permet aussi de faire le lien avec les crimes pénitentiaires, hein, de dire que l'État tue et que. En fait, l'existence enfin, ce qui peut être un peu malheureux aujourd'hui, on pourra rediscuter de ça d'un point de vue plus stratégique, notamment en parlant de justice transformative, mais ce serait en fait d'avoir les luttes autour de la police ou autour du système pénal qui se focalisent uniquement sur les violences policières et en termes de violences policières, comme s'il n'y avait que ça qui était inacceptable. Je pense, enfin, en tout cas, moi, d'un point de vue Bah abolitionniste, oui, le problème stratégique aussi, hein. Voilà, mettre le doigt sur l'existence même de l'institution me paraît beaucoup plus pertinent, voilà, sans parler évidemment de toute la récupération qu'il peut y avoir quand on ne se place que sur la question des violences policières. Et je dis tout ça avec évidemment énormément de sympathie et le mot est faible pour les gens qui luttent sur ce terrain-là, sur toute ma sympathie pour les victimes. D'être victime, d'avoir des proches qui sont tués, blessés, mutilés par l'État, c'est tout un processus. Moi, ça fait 20 ans que je suis abolitionniste. J'ai une histoire personnelle avec l'institution, avec les crimes d'État. Et donc, quand je dis c'est à mon sens une erreur, je le dis aussi avec toutes ces années passées dans ces luttes, dans ces réflexions. Voilà, c'est pas un jugement sur les personnes qui choisissent à un moment donné de leur vie
à un moment donné de leur victimation, d'avoir tel ou tel type d'engagement. Je vais juste faire l'animatrice un peu. Donc, il est presque 22 heures, puis on veut bien sûr que Adore Goldman du collectif autonome du travail du sexe puisse prendre la parole. Puis on aimerait aussi pouvoir laisser la parole aux personnes qui veulent poser des questions ou en tout cas intervenir. Et Nesrine non, qui veut conclure aussi, mais on peut... Non, t'as pas de questions avant toi. Oui, mais on peut dire un mot peut-être sur la justice transformative. Tu dis justice transformative, moi habituellement je dis justice transformatrice, donc je sais pas... Mais en fait, la façon que je veux l'aborder, c'est que, évidemment, on sait d'où vient ce besoin de s'émanciper du système pénal, justement, par les communautés marginalisées, par les personnes qui ne peuvent objectivement pas faire confiance à la police, faire confiance à ce système-là. Bon, tu viens de donner énormément de raisons. pour comprendre, qu'on puisse comprendre pourquoi ces personnes, certaines communautés ne peuvent pas faire confiance à la police. Mais la question que j'ai envie de poser, en fait, c'est ces pratiques-là, dans des communautés matérielles, réelles, sont réinvesties dans des communautés militantes qui ont parfois des contours assez flous. On peut s'adresser parfois à une espèce de communauté radicale de gauche j'utilise souvent imaginée. Puis avec les réseaux sociaux, c'est encore pire parce que ça donne l'impression de destinataire alors que les informations qui circulent sur les réseaux sociaux peuvent être récupérées par n'importe qui puis peuvent être utilisées à n'importe quelle fin. En fait, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que c'est vraiment possible de transposer ces pratiques-là des communautés qui ne peuvent pas appeler la police, qui ne peuvent pas faire confiance au système judiciaire, dans des communautés qui sont immatérielles et qui font le choix politique plutôt de ne pas appeler la police ou de ne pas faire confiance au système judiciaire. Et je ne veux pas dire qu'aucune personne militante, blanche, ne peut pas avoir des expériences traumatisantes avec la police. Mais je fais référence en fait à des formes de justice populaire qui se reproduisent de plus en plus sur les réseaux sociaux. On retrouve des listes récemment, pour revenir sur les cas au Québec, donc il y a un groupe sur Facebook qui s'appelait « Dis son nom » qui ont publié plus de 1000 noms de personnes qui auraient commis des agressions. Et ces personnes-là sont présentement poursuivies par une des personnes dénoncées pour diffamation. Donc, je trouve qu'en tant que communauté de gauche, on laisse aussi se reproduire des pratiques qui ne sont pas sécuritaires. C'est ces femmes-là qui en payent le prix en ce moment. Je ne sais pas si ma question est claire. Je l'avais écrit de manière claire, puis j'essayais d'économiser du temps un peu, mais en fait, c'est ça. J'aimerais t'entendre sur cette transposition-là, cette possibilité-là d'utiliser la justice transformatrice à gauche, dans l'espèce d'idée d'une gauche radicale. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre au mieux, mais je vais quand même dire que ce n'est pas vraiment mon sujet d'expertise. Par exemple, je n'ai jamais été engagée dans ce type de pratique, donc c'est des choses que je vois assez à distance. Alors après, j'en ai quand même une certaine expérience parce que ça fait longtemps que j'ai une pratique militante et du coup... forcément qu'il y a une certaine connaissance des pratiques qu'il peut y avoir, disons, à l'extrême gauche ou dans certaines communautés. Je vais peut-être faire une réponse étonnante d'une certaine manière, mais je dirais que même s'il peut y avoir évidemment beaucoup d'espoir autour de ces pratiques, je pense qu'il faut limiter nos attentes par rapport à ces pratiques-là parce qu'elles ne peuvent pas non plus aujourd'hui être détaché du monde dans lequel on vit
dans un système capitaliste, dans un système raciste. J'insiste sur le fait que aussi on vit dans un système capitaliste. Pourquoi? Parce que en fait, ces pratiques-là, elles demandent beaucoup de temps, elles demandent beaucoup d'investissement. Et ce qu'on observe, c'est que c'est pas n'importe qui peut s'y investir, hein, parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité, hein, de faire les nombreuses réunions que cela demande, tout le temps que ça prend, l'énergie que cela prend. Et donc, et c'est quelque chose qui revient souvent dans les mots des praticiens et des praticiennes de la justice transformative, c'est de dire que c'est du bricolage et que forcément dans une société qui est organisée pour que l'on transfère nos conflits, nos problèmes à des professionnels, lorsqu'on essaie de s'émanciper de tous ces professionnels, ben on bricole. On bricole dans une société qui n'est pas faite pour ça. N'est pas faite pour ça parce que bah, c'est plus simple d'appeler un numéro de téléphone gratuit pour dire il y a du bruit chez mes voisins, j'ai peur qu'il y ait des violences conjugales, etc. Et donc, ça veut dire aussi qu'en termes de compétences, eh ben, il nous manque beaucoup de choses. Alors, je commence par l'aspect le plus négatif, tout en pensant que ces pratiques-là, avec tous leurs défauts, tous leurs échecs, sont aussi important d'un point de vue tactique pour apprendre d'autres manières de faire. Mais je pense, pour moi, ce serait une erreur de penser que l'abolition du système pénal va se faire par des formes d'autonomisation du système pénal. Qu'en gros, il suffirait de simplement créer des groupes de justice transformative et puis au fur et à mesure d'amener les gens en fait, à pratiquer la justice transformative et arrêter de recourir à l'État pénal. Et que comme ça, à la fin, on arriverait à une forme d'épuisement du système pénal, hein, qui serait coupé de ses ressources et on aurait enfin l'abolition. Pour moi, ces usages de pratiques de justice communautaire, comme on peut les appeler, ou de justice transformative, c'est des espaces qui sont nécessaires parce qu'il y a bien il faut expérimenter comment faire autrement que fait le système pénal. Ça va forcément avec des inconvénients, avec des formes d'apprentissage collectif. Et je les conçois plus comme des outils tactiques, c'est-à-dire qu'ils doivent être conçus dans un ensemble de pratiques, dans un processus qui peut n'être qu'un processus révolutionnaire, parce que des vraies formes de justice, ça ne viendra pas sans l'abolition d'autres rapports de domination. Mais tant qu'on est pris dans tous ces rapports de domination, on peut expérimenter des formes qui soient parfois mieux que le système pénal. On peut malheureusement aussi en reproduire certains de ces fonctionnements. Donc, je suis désolée de ne pas apporter la lumière et un discours totalement optimiste là-dessus. Mais en même temps, je pense que c'est une certaine lucidité qu'il faut avoir sur ces pratiques-là. Je pense aussi que dans ce que tu dis, puis ce que tu as dit précédemment aussi, c'est la difficulté de sortir du cadre tel qu'il est défini par le système pénal, notamment les degrés de sévérité des crimes. Où on ne peut plus parler, par exemple, d'agression ou d'agresseur sans penser au viol. C'est comme si on a été... on n'a plus d'autres termes non plus pour adresser certaines violences dans nos milieux. Je pense que ça, c'est une des difficultés, quelque chose dont on a de la difficulté à sortir. Puis on a de la difficulté à sortir aussi de la logique pénale, en fait. Donc, on va avoir tendance à exclure, par exemple, donc on va donner des peines, on va déterminer des peines. Et un des passages que je trouvais très intéressant aussi dans ton livre, c'était le passage sur la victimisation, puis la victimisation secondaire, puis toute la forme du procès pénal, en fait, qui amenait des comportements, qui entraînait des comportements qui n'étaient pas souhaitables nécessairement, notamment chez la victime, qui doit paraître comme une super victime, mais qui doit aussi parfois exagérer les torts, les blessures pour convaincre, et de l'autre côté, la personne qui est agressée qui va avoir le comportement complètement contraire, puis qui va diminuer, puis qui en viendra jamais non plus nécessairement à s'excuser. Ça aussi, je trouvais que c'est des pratiques qui sont difficiles à déconstruire
même à l'extérieur, en fait, des institutions. D'autant plus que pour pas mal de crimes, il n'y a même pas besoin de la victime pour que l'État fasse son truc. Parfois, il se fiche même du consentement de la victime à mener une... Ah ben c'est le propre du pénal. Ah, non, non, mais c'est ça, tu vois, le problème. Mais moi, ma colocataire, elle accompagne souvent des femmes qui ont vécu des torts, par exemple, mais qui n'ont pas envie de se retrouver dans les démarches là. Et puis, en fait, à partir du moment, tu vois, où c'est juste parce que tu n'as pas le choix, personne ne dit que si tu es seule et que tu es démunie, que tu es une immigrée à tes voisins. Alors, ici, tu dis bonjour à tes voisins et tu regardes comme si tu les agressais. Alors, moi, je pense que je dois avoir un dossier avant de dire bonjour. Donc, tu vois, la communauté des voisins, quoi, si jamais t'arrive un truc, je ne sais pas ce qu'ils font, ce qu'ils appellent, mais bon, moi, j'ai l'habitude de dire bonjour à mes voisins et si j'entends quelque chose, je vais voir ma voisine si ça va ou ça ne va pas. Bon, bref. Et donc, du coup, le truc, c'est qu'après, elle se retrouve complètement embarquée dans le truc. Alors que, tu vois, déjà, si on t'a enlevé ton. Tu as vécu quelque chose de dur en tenant ton libre arbitre, et là, encore une fois, c'est la Jésus qui tient ton libre arbitre et ta force de décision, quoi. C'est-à-dire que. T'as pas envie de faire un truc contre le père de tes enfants, mais on s'en fout de ton consentement. Et c'est une deuxième violence. Alors, c'est ça, c'est l'État, quoi. Et c'est pas d'ailleurs, c'est pas les seuls à faire ça, quoi, mais aller à l'encontre des désirs de la victime. Et même, on l'a vu dans certains milieux où tu forces les victimes à aller dans une démarche qu'elles veulent pas, ou qu'elles sont pas prêtes à faire, où elles sont construites logiquement, où elles ne sont pas en état, où elles se reconstruire autrement, et peut-être qu'on ne ferait pas autant de nœuds, etc. Parce qu'effectivement, c'est ça, ce que tu dis, c'est le propre même, c'est que c'est un tort à la fausse communauté citoyenne, en fait, déjà pour commencer, et on se retrouve aussi avec ces délires, on retrouve la même chose, un tort à la communauté. Mais c'est qui la communauté, en fait? Moi, en théorie, la communauté, c'est là où je vis, c'est la personne qui peut débarquer si ça entend hurler. Ce n'est pas la personne de gauche, je ne sais pas où, sur Facebook. Je vais l'appeler, elle va mettre quoi dans combien de temps pour venir? Tu vois, ça n'a pas de sens, en fait. Pareil, il faut qu'on ait de l'argent, l'espace pour héberger les amis qui sont en difficulté, qu'on ait d'autres amis pour gérer le mec. Enfin, tu vois, c'est des choses. Là, en plus, avec la gestion de la pandémie, la gestion sociale, hein, parce qu'elle n'est pas que sanitaire, la gestion sociale de la pandémie, je trouve que c'est un poids énorme à porter de se dire que tu peux porter sur toi ce genre de forme de justice, alors qu'en fait, on n'a pas le droit de se voir. On doit travailler comme des fous et on n'a pas le temps de prendre soin des autres, en fait. Il y a des riches, ils ont sûrement le temps, hein, je ne dis pas. Hein. Mais voilà, quoi, moi, j'ai l'impression que c'est un poids supplémentaire. Quoi. Surtout là, hein, surtout là, quoi. Surtout dans les circonstances dans lesquelles on est. Et c'est pas parce que on a un projet politique et qu'on veut clairement gagner qu'il faut faire porter ce poids-là aussi, la culpabilité de se retrouver à devoir appeler les flics en cas d'extrême précarité ou d'isolement dans une situation dans laquelle on peut pas se sortir autrement, quoi. Parce que bah ouais, t'es seul, on t'agresse. T'as pas d'amis, tes voisins ils s'en foutent de ta gueule. Tu fais comment? C'est pas en appelant, tu vois. Quand même, voilà, je voudrais juste en plus ouais voilà tu le fais toujours et tu le fais très bien aussi, Gwen, de dire que bon c'est comme le communisme avant la fin du capitalisme, c'est non, en attendant on veut l'oseille, on a faim, quoi, tu vois. Donc oui, bah là c'est pareil, hein. S'il y a besoin d'appeler la police parce qu'on est en danger, bah, il n'y a pas de culpabilité, même si on est la plus radicale les plus radicales, quoi. C'est pas ou nous d'ailleurs aussi, hein. Non, mais alors évidemment après ça se pose différemment selon les contextes, mais c'est vrai que c'est une question de ressources et pouvoir. Enfin, la radicalité peut aussi être un luxe, hein, quand on a certaines ressources communautaires, familiales, environnementales, de ne pas appeler la police ou simplement de ne pas être dans des situations d'extrême danger, hein, parce que faut voir ça aussi, hein, c'est qu'il y a des personnes qui ne se sont jamais retrouvées dans cette situation-là. Hein, mais quand on a l'expérience d'avoir été dans des situations d'extrême danger, ben, on mesure bien qu'on n'est pas tous à égalité dans de telles situations. Hein, je parle pour moi, hein, il m'est arrivé d'être dans un extrême danger dans un pays qui n'était pas la France. Bah en fait, ça pose d'autres conditions matérielles dans cette situation. Alors après, ça veut dire d'un point de vue politique
Je pense évidemment de ne pas être dans des histoires de jugement de qui, de quoi, mais d'être dans la construction de ressources qui permettent d'éviter d'avoir à appeler la police. Ça, c'est évidemment important. Et puis aussi, quand on parle des contextes matériels dans lesquels on est et où on peut être dans un extrême danger, je pense que ça n'enlève pas non plus, évidemment, la réflexion sur les conséquences que ça va avoir d'appeler la police. Parce que, évidemment, ça n'a pas les mêmes conséquences lorsque il s'agit d'une personne noire, lorsqu'il s'agit d'une personne blanche, lorsque, selon les pays, etc. Hein, c'est évidemment les risques qu'on fait porter. Aux autres sont différents. Et puis après, il y a une responsabilité individuelle qui doit être pensée, pas simplement, pas, qui doit pas être pensée dans les situations d'urgence, mais sans doute de réfléchir dans nos vies personnelles à qui sont les personnes à qui on peut faire appel pour justement se prémunir de ces situations d'extrême danger où la seule solution serait d'appeler la police. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important à faire à titre individuel, de construire des ressources qui permettent d'éviter d'appeler la police, voilà, comme parler à ses voisins. Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement important d'appeler ses voisins parce que c'est souvent les premières personnes qui peuvent aider dans une situation d'extrême danger. Oui, non, mais ici, tu as des cambriolages. Les gens, ils pensent que c'est des voisins, en fait, parce qu'ils ne connaissent pas les voisins. En fait, ils connaissent, tu vois, les gens, ils se saluent pas. Enfin, ça dépend après des cultures aussi, mais non, ici, parce que c'est voisin, il y a eu des cambriolages parce que les gens étaient persuadés que c'était un nouveau truc qui se passait, quoi. Pas du tout, tu vois, Un genre, oui, déménagement. parce que c'est un déménagement. Voilà. C'est comme ça. Bon, ben, c'est ça, en fait, l'idée de la communauté réelle par rapport à l'imaginaire. En théorie, la communauté, c'est celle qui est autour de toi, là où tu vis. C'est pas la communauté imaginaire, idéologique. Et c'est revivre. Voilà, quoi. Enfin, moi, ma génération, elle a un peu connu ça, quoi. Et je pense que ça s'est encore, ça s'est individualisé à fond ces derniers temps, quoi. De plus, enfin, tu peux confirmer, quoi, que c'est de plus en plus individuel. Je veux pas Oui, faire ma vie mais toute après, seule. je me disais, il faut que j'arrête de parler, donc me relance Oui, pas. voilà, vas-y. On va ouais, bah, c'est vrai, vu l'heure et tout. Et Oui. donc, on essaie de conclure avec. Bah, écoute, déjà avec toi, Gwen, sur la question de qu'est-ce qu'on veut. Hein, fait un truc super bien. Pour un peu contrer les effets tu sais, des tendances réformistes et des nouveaux organes qui veulent exister, des organes contre-révolutionnaires bien sympathiques, sur tu sais, le fameux slogan ouais, mais qui nous protège de la police? Ben non, ben, on n'a pas, ben, voilà, on espère que, ben, effectivement, on arrive à se protéger, nous, hein. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Ben, c'est déjà arrêter de parler en termes de violence policière et puis accessible plutôt sur des crimes d'État. Et ben, forcément, c'est quoi la cible? C'est l'État. Et effectivement, aussi, dans mon cas, je préciserai l'État colonial et raciste et négrophobe. Enfin, voilà, quoi. Et comme on a abordé aussi, ce n'est pas des choses qui peuvent se faire non plus sans faire du mal au capitalisme, au racisme et au patriarcat blanc qui détient toutes les richesses et tout le pouvoir, à la fois des institutions, à la fois de l'argent, à la fois de l'immobilier. Effectivement, ça, quand même plus de chance. Enfin, c'est vrai que ça puisse se produire comme ça, sinon on n'arrivera pas à dégager ce fameux temps pour la justice réparatrice ou transformative ou toutes ces choses-là qu'on essaie de faire aussi, hein, de manière non formulée en fonction des cultures, hein, la culture autochtone et ses pratiques. Moi, ma culture islamique, elle a les siennes. C'est vrai que nous aussi, on a un aîné, quelqu'un, une figure qui est un peu reconnue, qui peut un peu gérer les conflits, des choses comme ça. On peut chercher, c'est ça aussi, les approches décoloniales, c'est ça, qu'est-ce qu'on avait avant. Essayer de réinventer, parce qu'on ne viendra jamais avant, bien évidemment, mais essayer de reformuler des choses. Mais bon, tant qu'on sera sur ce genre de rapport industriel, et enfin, voilà, enfin, comme elle a très bien dit, le capital carcéral, par exemple, et que de toute façon, on est aussi sur la question historique des slave patrols, mais on est aussi sur la propriété privée des corps non blancs, ce qui est la définition même de l'esclavage, hein, c'est qu'on est un bien-même avec la propriété. Donc il faudrait aussi penser l'abolition de la propriété privée. Voilà. Donc, et puis, il ne faut pas oublier non plus que se joue aussi à ce niveau-là, ben,
faut aussi qu'on soit du côté de l'anti-impérialisme, sinon on n'est pas très très sérieux. Et il ne faut vraiment pas qu'on oublie en fait le fait que ça n'a pas existé partout de tout temps. C'est comme le capitalisme, ce n'est pas ahistorique, ce n'est pas un phénomène naturel. C'est des choses qui ont été pensées, imaginées, créées assez récemment d'ailleurs. Ça va faire quoi, 3-4 siècles? Gwen, tu me corriges? Oui, la prison, c'est 2 siècles, 3 siècles. 3 siècles, ouais, c'est ça. Ben oui, ben c'est ça, ça a commencé aussi avec la colonisation, la gestion des populations, et puis au fur et à mesure qu'on n'a plus le droit d'exterminer comme ça, on se dit ben, comment on va retenir, comment on va contrôler. Et voilà, ben ça d'ailleurs, petite pique au passage, il n'avait pas trop pensé, effectivement, en parlant de la géopolitique, Foucault, il n'avait pas trop pensé le cas colonial. Enfin bon, donc du coup, on va penser aussi encore une fois à la Palestine, hein, qu'on appelle une prison assez ouverte, qui elle est un État raciste, hein, c'est pas un racisme d'État. Dernière analogie aussi, il y a des décolonisations à terminer. Je pense à l'Algérie, les militants du FLN qui subissent une répression extraordinaire avec l'utilisation beaucoup du carcéral, des tortures en carcéral, qui rappellent exactement ce qui avait été construit pendant la colonie, imaginé et rendu institutionnel, notamment le viol sur les hommes aussi. Hein, c'est pas que les femmes, le viol c'est une arme d'humiliation coloniale aussi. Et pas que, hein, ça s'étend, ça finit toujours par s'étendre aussi sur les populations les plus précaires, blanches aussi, c'est-à-dire qu'on est un peu les laboratoires, nous les non-blancs, ça teste un peu dans les laboratoires, puis ça s'étend à des populations, on l'a vu beaucoup à gauche, une sensibilisation à ces questions assez tardive, à travers des mouvements sociaux, reprise les fortements, et là on se rend compte, ah bah tiens, finalement il est pas arrivé dans les collectifs contre les crimes racistes, policiers racistes, ou les crimes d'État racistes, et donc du coup, bah, on a au moins ces 3 premières rencontres, parce que sinon on ne va pas s'en sortir non plus avec les féministes blanches et carcérales. On ne va pas en finir non plus avec celles qui, celles qui ont eu la perversité de réemployer le terme abolitionnisme, qui était celui de l'esclavage par rapport à l'abolitionnisme de la prostitution. Et là, j'aimerais donner la parole à Adore. Je ne sais pas si tu es là. Adore, si tu nous entends. Ouais, donc du coup, non, c'est pas grave, le temps qu'elle revienne, peut-être qu'elle a fait une petite pause, vu qu'on est super en retard, chacune à son rythme. Je pense qu'elle elle mettra l'écran quand elle arrivera. Et donc, l'idée était aussi de ne pas oublier que quand, là récemment, pareil, il y a eu un an ou deux, il y a quand même eu une militarisation aussi, et on a pu voir les Noirs aux États-Unis vivre des situations assez similaires à la gestion d'apartheid. De nouveau, ça rappelle les questions coloniales, parce qu'il y a même eu des discussions entre un courant pessimiste noir et un militantisme anti-impérialiste par rapport à la Palestine, et en vrai, il y a vraiment une militarisation et dedans et dehors. Donc, il y a tout un business aussi de la guerre, et il faut qu'on se méfie un peu de tout ça, comme tu l'avais dit aussi, Valérie, par rapport à la loi contre le séparatisme et la loi 21. Et donc, on recrée des choses, des ennemis d'intérieur, ça permet de développer ces industries, parce qu'il y a un fric de malade hein, derrière tout ça, c'est pas pour rien qu'encore une fois, c'est relatif au capitalisme. Ça vend clairement des tactiques de gestion des populations, ça vend des armes, en passant par les lacrymos jusqu'aux armes à feu. Quand tu as les flics qui nous font la guerre ici, tu as aussi des vidas qui font la guerre ailleurs. Quand on n'a pas les militaires aussi, parfois même, comme ça a été le cas pour des mobilisations noires qui ont eu l'armée. L'armée aussi avait été appelée, moi je me rappelle Black Lives Matter, ils n'ont pas eu ça les mecs au Capitole. Mais pour quand Black Lives Matter avait voulu s'approcher du Capitole, ils avaient même appelé l'armée. Hein. Voilà, donc on appelle ça. Bon, ça va être spéciste, on va me dire, mais voilà, c'est les chiens de garde du pouvoir, hein, donc ils ne sont pas distingués ou à séparer de l'État, que ce soit la police ou l'armée. Et puis si vous voulez ajouter quelque chose, en attendant, Adore. Adore, elle était bien. Oui, Adore. Allô, je m'excuse, je pense que je vais laisser ma caméra fermée juste parce que mon Wi-Fi fait des siennes. Ouais, okay, donc, mais on t'écoute. En parlant d'immigration. Oui. Donc, d'abord, bonjour. Merci de m'avoir invité à... Merci de m'avoir invité à participer avec vous aujourd'hui. Dans le fond, moi, je suis ici pour faire un peu des liens avec
le mouvement auquel je m'implique pour la décriminalisation du travail du sexe. Je suis impliquée au comité autonome du travail du sexe, qui est un comité basé à Montréal, et on milite pour de meilleures conditions de travail en commençant par la décriminalisation. Donc, je pense que les discussions qu'on a eues aujourd'hui ont fait beaucoup écho. Je vais essayer d'être brève parce qu'il y aurait tellement de liens que je pourrais faire. Mais je pense que l'instrumentalisation du droit des femmes et de leurs besoins de protection va souvent être invoquée quand on va parler, en fait, quand certains mouvements féministes vont demander la criminalisation des clients, des travailleurs du sexe et des tierces parties. Souvent qui va être fantasmé comme comme un procès racisé. Donc, le mouvement des TDS, pourtant, depuis les premières mises en place de ces modèles-là, on dénonçait, dans le fond, que ça nous mettait en danger, entre autres parce que ça l'empêche de vérifier l'identité des clients qui ont peur d'être arrêtés, puis ça, c'est un moyen que les communautés TDS ont toujours mis en place pour assurer leur sécurité. En plus, cette criminalisation-là va aussi criminaliser certaines TDS plus que d'autres. Donc, les TDS peuvent, sous ce modèle-là, être évincées parce que leurs propriétaires sont considérés comme être des tierces parties parce qu'ils bénéficient des fruits de la prostitution. Pour les TDS migrantes, elles peuvent être déportées parce qu'elles sont considérées comme exerçant une activité illégale au Canada, puis qu'elles ne vont pas bénéficier de l'immunité judiciaire qui est supposée être accordée aux TDS qui vont être citoyennes canadiennes. L'immunité a aussi, bien sûr, ses limites parce que les TDS qui vont travailler dans la rue ou qui collaborent avec leurs collègues peuvent aussi être arrêtés. Pour finir, j'aimerais aussi revenir sur l'historique raciste et de la cooptation du terme abolitionniste par le mouvement anti-prostitution qui vient d'un historique raciste. Donc, dans le fond, bien que les premières utilisations du terme, c'est en lien avec des femmes qui revendiquaient l'abolition de la loi des maladies contagieuses en Angleterre, qui était une loi qui soumettait, dans le fond, les TDS à beaucoup de surveillance médicale. Ça a rapidement changé de sens pour être associé à qu'est-ce qu'on appelait la traite des Blanches à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc, bien que la traite des Blanches, en fait, c'est un mythe, il y a peu de cas qui ont été répertoriés. Donc, dans le fond, c'est un mythe qui se veut que des femmes blanches seraient dupées ou contraintes par des hommes racisés à se prostituer. Donc, selon Robin Menard, cette panique morale-là autour de la traite des Blanches a contribué à faire perdurer les inégalités raciales autant aux États-Unis qu'au Canada. Et ce serait en fait un mouvement réactionnaire à l'abolition de l'esclavage. Donc, au Canada, ces discours-là ont permis, ont vraiment associé les hommes chinois et japonais à la traite des Blanches. Et dans le fond, ça a permis de restreindre l'immigration non blanche. Donc, c'était un discours qui était utilisé à ces fins-là. Puis, je pense que ces discours-là et cet imaginaire-là raciste, c'est toujours bien présent dans la supposée lutte contre le trafic et l'exploitation sexuelle. Sans jamais qu'on parle, par exemple, du rôle du capitalisme ou des frontières coloniales dans cette exploitation-là. Donc, bref, je pense qu'il y a vraiment des liens à faire. On te perd, Adore. Oui? On te perd. J'ai fini. D'accord. Mais tu peux reprendre peut-être en t'entendant là, si tu veux conclure. OK, c'est ça. Dans le fond, je pense qu'il y a vraiment des liens à faire entre l'abolitionnisme pénal et le mouvement contre la criminalisation des travailleurs du sexe. Ouais, ça coupe, je suis désolée, Adore. Alors, par contre, comme elle a été assez sympa pour me donner son papier, donc en fait, elle fait le lien avec à la fois la décriminalisation et les enfants, il faut.
mettre de l'avant que les travailleuses migrantes et racisées font encore plus. Mais vas-y, Nesrine, si tu veux. C'est pas mes mots. Donc, du coup, en fait, elle préconise aussi du coup, la régularisation des sans-papiers, donc la décriminalisation de ces corps errants, n'est-ce pas? Et du coup, la décriminalisation, ce qui n'est pas la dépénalisation, parce que ça n'empêche pas de faire des petites lois, on dépénalise, parce qu'on est là-dedans, hein, on est dans une dépénalisation, la criminelle n'est pas la prostituée, mais on va pénaliser autour, on va criminaliser quand même. C'est comme quand on a dépénalisé le cannabis, on n'a pas décriminalisé pour autant, c'est-à-dire que tu peux toujours te faire arrêter parce que tu avais… un truc ou que tu as vendu ou que tu as dépanné. Hein. Enfin, on sait encore qui ça vise, mais ce n'est pas parce qu'on peut acheter. Désolée, c'est quoi l'équivalent? Je ne vais pas dans ce genre d'endroit, mais de la SAQ ou je ne sais pas quoi pour le. La SQDC. Pour la fenêtre, là. Voilà, donc c'est l'État qui te vend ça maintenant. Et donc, et voilà, c'est une dépénalisation, mais ce n'est pas une décriminalisation. Donc, voilà, donc les choses qu'on peut même demander. À nos ennemis libéraux, le strict minimum, ce serait une décriminalisation, enfin, la régularisation de sans-papiers. Il y a des choses qu'on peut faire qui ne sont pas de l'ordre de l'utopique en attendant la fin de toutes les institutions. Déjà, limiter les définitions de criminels qui n'ont aucun sens, comme pas avoir les bons papiers, comme justement les questions relatives à la toxicomanie, donc par rapport à la décriminalisation, décriminalisation et pas dépénalisation de la consommation de tous les produits, pas un. Voilà, parce que sinon je ne comprends pas pourquoi là, enfin, on pourrait jouer avec l'alcool aussi, mais bon, on ne va pas le faire. Hein. Et donc, aussi, pareil pour le TDS, donc on a au moins trois choses qui sont faciles à réclamer. Il y a des étapes, hein. C'est pas utopique hein, si on pense en termes d'étapes, avec des angles d'attaque et qu'on essaie d'avoir un peu une pensée globale, quoi. Et de même, hein, parce que si on, ça devient quand même urgent hein, avec la construction des camps de rétention. Et aux anciennes crises, on peut ajouter maintenant les réfugiés climatiques, hein, bah, du coup, climatiques alimentaires, hein, parce qu'on a cramé les ressources de partout. Donc oui, bah, les gens, ils vont monter dans les nords. Voilà. Donc, pareil pour la question des migrants. Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter autre chose. Merci beaucoup, Adore. Hein. Vraiment désolée pour les problèmes de connexion. Hein. Ben oui, mais en tout cas, elle a rendu son texte disponible sur le site de l'événement aussi, sur la page de l'événement. Puis j'essayais de voir, en fait, c'est que Adore devait nous partager s'il y avait des questions aussi, mais en fait, il y a énormément d'interactions sur la page. Il n'y a pas nécessairement de questions à ce que je... Ouais. Bah, on peut dire que les questions sont ouvertes là. Hein. Oui, mais ouais. Ce ne sera pas live. En fait, où est-ce qu'on les voit, les questions? Oui, en fait, c'est que c'est pas les gens ne sont pas sur le Zoom, les gens sont sur la page Facebook. Donc, j'y suis, mais je ne vois pas. Il y a des demandes de parler des femmes incarcérées. Voilà. Alors, il y a des collègues qui le font très, très bien, l'ont très bien fait récemment. Le collectif Defund CA qui en ont beaucoup parlé là, il y a 2-3 semaines. C'est un événement organisé il y a 2-3 ouais, c'est ça, 2-3 semaines. Donc, elles ont parlé un petit peu des situations complexes dans lesquelles elle pouvait être, mais Gonola aussi, elle a de belles analyses sur la question, notamment par rapport aux durées de peine, par rapport à ce qui est proposé à ces femmes en prison. C'est pas les mêmes questions de, par exemple, de pseudo-réinsertion, alors que t'as jamais été insérée, mais enfin bon, bref, c'est de la désinsertion de toute manière la prison, mais bon. Donc ouais, t'as plein de choses super belles dans ton livre sur la question des femmes, ouais, incarcérées. Oui, je crois qu'il y a aussi des belles luttes autour de la prison Leclerc, Leclerc et Tremblay au Québec. Je sais que j'avais rencontré un collectif qui construisait justement des solidarités avec les femmes à l'intérieur. Évidemment, oui, il y a beaucoup de choses à dire sur les femmes incarcérées. Après, ce que j'aime rappeler sur les femmes qui sont incarcérées, c'est que
à la fois, elle partage beaucoup des caractéristiques des hommes qui sont incarcérés en termes de position sociale, le fait que les femmes issues de l'histoire de l'immigration, de l'histoire coloniale sont surreprésentées parmi les femmes qui sont incarcérées. Donc, par beaucoup d'aspects, hein, les femmes et les hommes qui sont en prison se ressemblent. Mais en même temps, il y a des spécificités. Et l'une des spécificités des femmes incarcérées, c'est le poids des violences qu'elles ont subies. Alors, elles ne sont pas incarcérées parce qu'elles se sont défendues. Mais de la même manière que tout à l'heure, on parlait de l'école dans des parcours d'exclusion sociale et ensuite de recours à des activités criminelles. En fait, quand on voit les parcours des femmes qui sont en prison, on voit souvent qu'il y a des histoires de violences conjugales, des violences à caractère sexuel. Et puis, on voit aussi que lorsqu'il s'agit des actes les plus graves et donc des peines les plus longues, il y a aussi souvent des hommes qui sont engagés dans ces activités-là ou dans ces crimes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui, si elles commettent des faits extrêmement graves, les commettent avec la complicité d'un homme ou alors dans des situations, des dynamiques avec un homme. Alors, voilà, ça peut être un homicide sur un conjoint, un proxénète, un vendeur de drogue, un dealer de produits stupéfiants, etc. Hein, mais qu'il y a souvent des hommes qui sont engagés dans ces actes criminels, enfin, qui interviennent à un moment donné. Ou Ouais, pas. bah ça, on peut pas... ouais, effectivement, on ne peut pas trop s'extraire de la société, donc pas ouais, forcément. Non, je repensais au fait que j'avais plein de copines qui étaient dealeuses, mais ouais, c'est vrai qu'on ne voyait pas forcément les bonhommes, mais Ah oui, oui, non mais alors après là, c'est une autre histoire, c'est aussi celle de la division sexuelle du travail criminel, c'est-à-dire que en fait, qui fait certaines tâches, et là aussi on voit que les femmes sont souvent des positions qui sont justement typiquement féminines, mais qui sont aussi des positions à risque et qu'elles ne bénéficient pas des mêmes solidarités que les hommes lorsqu'elles sont poursuivies ou lorsqu'elles sont incarcérées. Donc, enfin, c'est là aussi qu'on a vraiment besoin des analyses féministes sur la question à la fois de la criminalité et de l'incarcération. Bon, bref, je m'arrête là parce que je vois qu'il y a d'autres questions. Donc, il y avait la question de la rentabilité aussi du système carcéral. Ouais. Ouais, alors c'est plus les amendes qui vont t'envoyer en prison qui sont rentables en fait, mais je pense que tu vas en parler de ça, surtout au système américain, c'est assez impressionnant le. Alors, bon, cette rentabilité, en fait, ça dépend un petit peu comment on l'entend, parce que enfin, ça coûte aussi extrêmement cher. Donc, ça dépend quels sont les coûts qu'on regarde. Il y a souvent cette impression qu'aux États-Unis, voilà, c'est forcément beaucoup plus privatisé, etc. Par exemple, ça l'est moins que la France. Il y a moins de personnes qui sont dans des prisons à gestion privée aux États-Unis qu'en France, je ne sais pas par rapport au Canada. C'est aussi la question du travail des prisonniers, des prisonnières. C'est aussi toute la question du secteur du bénévolat, de l'insertion sociale, etc., qui fait des profits hein, et qui justifie son existence à travers l'existence même du système pénal. Et ça, c'est un enjeu politique extrêmement important parce que tout ce secteur-là, qui est souvent porté par des personnes qui se pensent et se croient progressistes, participe aussi à la pathologisation des personnes qui sont ciblées par les politiques pénales. Je vous donne un exemple qui me tient à cœur, hein, c'est la question des proches de personnes incarcérées, les gens qui vont au parloir, qui vont faire des visites. On voit qu'il y a de plus en plus tout un secteur d'activités qui tirent bénéfice de l'existence du fait qu'on ait des proches incarcérés, hein, donc qui sont là avant les visites, après les visites, etc. Mais comme ces organisations, alors ONG, etc., ils peuvent avoir des noms différents selon les pays, ils ont besoin de justifier leur existence. Donc, ils tendent à présenter les personnes qui sont incarcérées et les proches de personnes incarcérées comme étant des populations problématiques, des populations à qui il faut venir en aide. Et là, c'est un enjeu extrêmement important d'un point de vue politique parce que ça touche évidemment à la façon dont on se pense
comme des sujets politiques, comment on pense notre autonomie, non pas comme des populations devant être aidées, mais comme des populations qui ont aussi un savoir extrêmement important sur le fonctionnement du système pénal, comment faire solidarité, comment faire couple, comment faire famille lorsqu'on est confronté à l'incarcération. Par exemple, je suis mais totalement effondrée de voir comment c'est pensé comme une évidence qu'il faut mettre en place des programmes pour aider à la parentalité des personnes qui sont détenues ou pour aider à la parentalité, par exemple, des femmes qui ont des enfants et dont le partenaire est incarcéré, avec cette idée que forcément les prisonniers, les prisonnières, ceux dont les partenaires sont incarcérés sont de mauvais parents. En fait, il y a énormément de savoir de la part des gens qui sont confrontés au système pénal sur comment on fait en fait dans ces situations-là. Et donc tout ce système de bénévoles, d'experts, de soutien à la parentalité ne peut exister qu'en continuant à propager cette idée que nous sommes de mauvais parents, que nous sommes de mauvaises mères, que nous sommes de mauvaises conjointes, et que si on était des familles, des bonnes familles, on n'aurait pas quelqu'un à l'intérieur. Et là, il y a vraiment un enjeu politique, et puis un enjeu de comment on pense l'expérience de la prison. C'est quelque chose d'extrêmement banal d'entendre les gens dire que les enfants sont traumatisés forcément par l'expérience de la prison. Ce n'est pas le cas. Ils sont traumatisés par les conditions sociales dans lesquelles ils vivent l'expérience de la prison, ce qui est totalement différent à dire pour aussi avoir plus de pouvoir sur cette expérience. Je m'arrête à un moment donné parce que je sais qu'il faut qu'on passe à d'autres choses. Non, mais du coup, c'est cool parce que tu vois, tu as pu parler d'expropriation genrée quand tu parlais de la division du travail genré, notamment pour les femmes qui allaient, voilà. Et puis en fait, après, on peut conseiller la lecture de nouveau de Cathy Wong pour la question du système économique pour le capitalisme. En fait, il sera un filon oui et non, effectivement. Vous disiez, ouais, ils se font plus d'argent avec les amendes, c'est-à-dire dans le pénal que dans la prison. Et c'est là que ça rejoint d'ailleurs le courant théorique des pessimistes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que ça ne rapporte même pas tant d'argent, ça ne rapporte même pas d'argent d'enfermer des noirs en prison. C'est là tout le cynisme, c'est-à-dire qu'on imagine que s'ils construisent tout ça, c'est qu'il y a un gros business, mais ce n'est pas du tout vrai, en fait, hormis pour ceux qui peuvent payer les tickets avant de se retrouver en prison, parce que ça verbalise pour rien, ça pénalise pour rien, et tu te retrouves en prison quand tu arrives à des sommes que tu ne peux plus payer, mais c'est vraiment pour des choses ridicules. Tu peux avoir des amendes pour un feu arrière, pour un truc. Et comme il y a un harcèlement de rue policier, dont on ne parle pas beaucoup, effectivement, d'un moment, tu arrives à une accumulation à 3 000 $ si tu es un petit prolo aux États-Unis et que tu as du mal à avoir 3 jobs, et tu finis par être incarcéré. Après, bon, tu as du mal à sortir après du carcéral, mais ce n'est pas le carcéral qui apporte de l'argent. D'ailleurs, il y a beaucoup de travail gratuit autour de la prison, il y a aussi beaucoup de travail associatif, il y a aussi beaucoup de travail communautaire, comme on dirait ici. En fait, beaucoup de choses comme ça, où tu as du bénévolat, effectivement, qui valorise d'ailleurs le carcéral. Ce n'est pas la prison qui… Ce n'est pas l'État qui paye pour ces services-là, en réalité, parce que, voilà, on se dit, ah, c'est bien, il faudrait avoir tel atelier sympathique pour rendre la prison moins horrible. Du coup, c'est des bénévoles qui vont s'impliquer dans telle association reconnue d'utilité publique par l'État. Et ça, c'est effectivement, c'est de nouveau les petites choses contre-révolutionnaires qu'on peut avoir là, et ça va proliférer… On a la ville qui a créé un commissariat contre le racisme et les discriminations systémiques qui, du coup, essaie de dire qu'il faut apporter de la diversité dans la police, alors que, on sait très bien que c'est déjà des non-blancs dans la police, des non-blancs dans l'armée, des non-blancs chez les matons. Ça ne change rien. D'ailleurs, on revoit cette reproduction de la violence à la fois sexuelle et par des policiers non-blancs, etc., encore plus dans les réserves aussi. Surtout qu'il y a une histoire des pensionnats qui ont appris la violence sexuelle à ces policiers et qui peuvent la reproduire sur leurs frères et sœurs. Donc, on se retrouve avec un tas d'organes comme ça qui coûtent des sous, mais pas forcément, qui n'en rapportent pas forcément. Donc, pour les questions économiques, là, je pense qu'on a fait le tour. Et après, il y avait, ça, tu gères bien, il y avait la question violence sexuelle et impossibilité d'emprisonner toutes les personnes. C'est ça, c'est ce qu'elles disent pas, celles qui sont dans le tout carcéral, c'est qu'en fait, on aurait quasiment tout le monde en prison, là, si on voulait emprisonner toutes. Je te rends la parole, là, du coup. Non, mais
Oui, c'est vrai que quand on parle des violences à caractère sexuel, on parle de violences de masse. Donc, de façon très pratique, lorsque on appelle à davantage criminaliser les violences à caractère sexuel ou à enfermer plus longtemps les auteurs de ce type de violence, en fait, on sait qu'on va utiliser un outil qui est extrêmement biaisé du point de vue social et du point de vue de la race. Et donc, en fait, qui c'est qu'on va criminaliser? C'est essentiellement des hommes pauvres issus de l'histoire de l'immigration ou de l'histoire coloniale. Mais que, en fait, si on appliquait de façon totalement juste, en tout cas de façon égale, le traitement qui est imposé à certains hommes, ben on se retrouverait avec une quantité extrêmement importante d'hommes en prison, avec quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que quand un homme va en prison, sa peine a un effet sur les femmes de son entourage, parce qu'on est dans une société patriarcale et du coup la solidarité est attendue des femmes. Et donc lorsqu'on envoie un homme en prison, en fait c'est souvent une mère, une compagne, une sœur, une fille qui va être impactée, qui va être dans une situation de devoir envoyer de l'argent, de devoir faire des visites, de devoir laver du linge, etc. Donc voilà, c'est une solution en plus qui, si on y réfléchit, est extrêmement simpliste. Si on voit la complexité en fait du problème, on est en train de parler du patriarcat et on nous offrirait comme seule solution d'enfermer des individus. On voit bien le côté foncièrement utopique en fait du système pénal, qui est de vouloir résoudre des problèmes qui sont d'ordre systémique en punissant des individus, hein, comme si tout cela n'était pas évidemment intimement imbriqué. Et puis, ce que tu as pu évoquer plus tôt, Nesrine, c'est le fait que, évidemment, la réalité, elle n'est pas blanche et noire, ou en tout cas binaire. Hein, c'est que les personnes qui sont reconnues comme auteurs sont aussi souvent les personnes qui sont victimes de l'État, des injustices à caractère systémique, et que du coup ce biais-là fait que c'est toujours les mêmes populations qui sont criminalisées. Donc comment vouloir résoudre un problème qui est de l'ordre du système en faisant porter la responsabilité sur des individus et en fait sur une partie des individus. Ben c'est ça. Et puis je pense que l'affaire, par exemple, je ne sais pas si tout le monde connaît Darmanin ou Tariq Ramadan, mais cette polarisation montre bien la dangerosité de ne pas prendre en compte les oppressions globales. Parce que dans un cas, on a un mec qui est carrément au pouvoir, qui lui, là, effectivement, n'a pas à répondre de grand-chose. Et d'autre côté, on a eu c'est-à-dire qu'on a eu un traitement injuste et raciste. Quelle que soit leur culpabilité, hein, c'est pas la question. Mais je veux dire, tu vois bien que deux traitements, ça résout rien non plus sur la question du sexisme, d'accepter un traitement raciste d'un côté et de l'autre côté, tu as toujours ce privilège-là, patriarcal, blanc, bourgeois, avec des impunis. Il y avait tellement de. À l'époque, là, il y avait Besson, il y avait aussi l'autre cinéaste, il y avait un tas d'hommes blancs, riches, etc., qui n'ont absolument pas eu le même traitement pénal, judiciaire, carcéral. Que Tariq Ramadan qu'on mettait dans le même panier de puissance médiatique, etc. Et finalement, on voit encore une fois qu'il y a deux poids, deux mesures en fonction du rapport racial. Finalement, la classe avec la race, des fois, ça colle pas. Hein. C'est souvent le cas d'ailleurs de personnes noires qui gagnent bien leur vie. Elles sont encore plus suspectes si elles ont une grosse voiture qui ont l'air d'avoir de l'argent. Ça en fait des voyous. Donc, on se retrouve toujours avec les mêmes. C'est-à-dire que et ça n'aide personne que ce soit les mêmes, parce que du coup, tu as des choses qui passent à la lasse, qui pourront se reproduire aussi dans la reproduction de la violence à la fois capitaliste, raciste et patriarcale, quoi. De toute façon, pour revenir au fait que ce système est injuste, même dans son injustice, il est encore injuste, quoi. Donc, il faut alors. Ben oui, mais je pense qu'on a fait. On a eu toutes les questions. On n'a pas tout à fait le tour, j'imagine, mais merci énormément d'être resté jusqu'au bout puis d'avoir participé à cet échange-là. Puis
Ouais, merci tout le monde qui ont écouté jusqu'à la Merci. fin. Un mot de la fin, peut-être? Non, merci beaucoup à tout le monde. Et voilà, enfin, je pense que c'est bien de terminer une discussion aussi sur un peu de frustration et de se dire qu'on aimerait bien continuer. Je pense que ça veut dire qu'on avait des choses à se dire et que voilà, faut continuer à discuter. Donc, c'est pas mal de ressentir un peu cette frustration à la fin d'une discussion. Oui. Ouais, ça veut dire que bah, ça doit continuer. Et puis, ça dit aussi que même si on ne vient pas des mêmes endroits des luttes, on peut aussi aborder des accords et débattre et être critique aussi des approches des unes des autres et tirer un peu sur les différentes lignes qu'on a, quoi. Et pour essayer d'aller vers quelque chose de plus global. À l'autre bout, t'as la camarade Morgane qui aurait dit vers quelque chose de la totalité, hein. Mais j'ai ça aux copines géniales de gauche, mais ouais, penser quand même en termes de colonialité du pouvoir et les rapports aussi nord-sud, parce que je pense aussi qu'il y a les rapports des nord et des sud, même dans l'État. Et puis c'est ça, on fait la guerre dedans et on fait la guerre dehors. Et ouais. Mais nous, comme, il y a plein d'autres personnes à inviter à la discussion aussi. Puis peut-être une prochaine fois, plus longtemps avec Adore. Et je voulais aussi juste prendre le temps de remercier Nathalie qui a fait le sous-titrage, traduction et sous-titrage. Merci pendant presque 3 heures. Merci beaucoup, ouais. Beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Et, on trouvera bien des espaces pour continuer à discuter. Tout à fait. Puis on te lit. Merci. Allez, bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit.